Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Parlons peu, parlons pâle, le nouveau podcast qui s'intéressera à l'actualité audiovisuelle et aussi certainement des livres autour de la paléontologie. Et aujourd'hui, moi, Kershansif, je me retrouve avec quatre de mes comparses. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant que je puisse faire ma présentation? Commençons par Nico Wild. Eh bien, good day, moi je m'appelle Nico Wild, je suis étudiant en sciences de la vie. Fan d'Australie et désormais récent vidéaste. Et ensuite, j'accueille aussi Edouard Dino. Oui, bien, bonjour, moi je m'appelle Edouard. Je suis membre de la paléosphère, vidéaste également, passionné de paléontologie et étudiant en école d'ingénieur. Et ensuite, j'accueille aussi Venator de la chaîne Fauna Studium. Bonjour, c'est Venator, je m'appelle Simon, je suis un très grand amateur de biologie, plus particulièrement de biologie marine et de paléontologie. Parfait, ça tombe bien, ça va être un des thèmes de cet épisode aussi. Et pour finir, j'accueille FL Reptile. Est-ce que j'ai besoin de te présenter? Non, mais peux-tu le faire quand même? Merci Karcha, salut les copains, ravi d'être là avec vous. Donc FL Reptile, voilà, chaîne de vulgarisation en paléontologie et en herpétologie, vice-président de l'association Paléosphère et accessoirement paléontologue et médiateur scientifique au Muséum départemental du Var. Et pour finir, je suis Karcha Nocif, youtubeur en particulier sur le lien entre paléontologie et pop culture. Ça tombe bien, ça va être un des thèmes aujourd'hui de ce podcast. Je suis aussi étudiant en médiation scientifique et je suis aussi vice-trésorier de la Palosphère. Et justement, Eiffel a parlé de l'association. Ici, nous sommes trois membres, donc moi-même, Edouard Dino et Eiffel Reptile. Et Nico et Venator sont des membres très actifs du Discord Palosphère, donc vous pouvez retrouver le lien en description. Alors les amis, quelqu'un, par exemple Edouard, est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Eh bien oui, bah aujourd'hui nous allons parler du merveilleux documentaire qui a fait beaucoup parler de lui, alors plutôt docu-fiction, Préhistorique Planète, et nous allons parler aujourd'hui du premier épisode. Exactement, le premier épisode s'appelle La Côte, voilà. Pour ça, on va essayer quand même de faire ça de manière assez organisée. On va commencer par parler un petit peu de la forme du documentaire, donc tout ce qui est visuel, musique, et un petit peu aussi la grosse thématique du documentaire. Ensuite, le fond scientifique, parce que c'est quand même ça qui va nous intéresser. Et pour finir, comment le savoir est transmis dans ce documentaire? Est-ce que c'est fait d'une bonne manière? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Et pour ça, je vais commencer par vous poser une question. Qu'avez-vous pensé de la forme de ce documentaire? Est-ce que le visuel vous a plu? On va commencer par le visuel. Est-ce que vous avez quelque chose à redire sur le visuel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? On va commencer par Nico. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le visuel de Préhistorique Planète épisode 1? Alors, je vais être avec vous. C'était quand même très joli, hein, cet épisode de Préhistorique Planète. Il y a eu des modèles 3D qui sont quand même étonnamment bien faits, surtout par rapport à ce qu'on nous a habitués ces dernières années. Donc, c'est quand même un petit vent de fraîcheur avec de la qualité, ne serait-ce qu'au niveau graphique. C'est vrai que ça change quand même pas mal des documentaires qu'on a eus assez récemment, hein, qui sont souvent plus dans le dramatique ou l'épique que les prouesses techniques. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un avis qui soit serait dans le même la même veine que celui de Nico, ou alors est-ce qu'il y en a qui sont totalement en désaccord, pour eux c'était moche? Bah moi j'ai trouvé que c'était très beau. À part quelques moments où bon effectivement, mais après c'est comme dans n'importe quelle production, hein. On peut pas être parfait sur tous les plans. Oui, il y a des plans qui par moments sont un peu inférieurs à d'autres, mais globalement, c'est magnifique, hein. Visuellement, c'est une sacrée claque. Totalement. Et moi, ce qui m'a vraiment plu dès le début, quand il y a les bandes annonces, c'était quand même le visuel. C'était assez incroyable. Et comme l'a dit FL, il y a un passage, notamment celui sur les ptérosaures, j'ai trouvé vraiment en deçà de tout ce qui s'est fait d'autre dans l'épisode. Mais il faut répartir équitablement le budget, et sur ça, je pense pas qu'on peut vraiment les critiquer. Donc, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport au visuel ? Le visuel, est pour ma part, moi je le trouve vraiment très bon, hein. Y a pas grand-chose à dire. Bon, j'ai déjà entendu parler des gens qui disaient « oui, c'est le plus beau truc », alors j'irai pas jusque-là. Néanmoins, pour un documentaire, un docu-fiction, oui, c'est une énorme claque, et c'est d'un autre niveau que tout ce qu'on aura pu avoir avant, je pense.
Ça, c'est vrai. Et alors, je suis peut-être un peu de la vieille école, mais je regrette qu'il n'y ait pas eu... Alors, je me souviens pas, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais j'ai pas eu d'animatronique dedans. Je suis peut-être un peu de la vieille école sur la Terre des dinosaures, mais j'aurais bien aimé avoir un ou deux petits animatroniques dans le tas. Il y a un truc physique. Ouais, et honnêtement, ils auraient pas dû le faire. Oui, voilà, c'est... On pourra en reparler. Venator a l'air d'avoir des choses à dire, calme-toi. ensuite, bah, justement, Venator, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la musique de l'épisode qui, quand même, aussi, a pas mal fait parler d'elle? Qu'est-ce que tu en penses? La musique est vraiment bien. Y a des musiques différentes à chaque moment de l'épisode, à chaque chapitre, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. Nous t'autorisons, tu peux appeler ça des chapitres. Y a des partitions, y a des musiques différentes à chaque chapitre. Et à chaque fois, la musique se prête bien à ce qu'on voit à l'écran. L'ambiance est bien retranscrite et ça fait plaisir. Et ça s'accorde bien avec les magnifiques images qu'on peut voir. Et justement, vu que toi, tu es quand même quelqu'un qui se passionne beaucoup pour les océans, qu'est-ce que tu as pensé des instruments qui ont été utilisés pour représenter l'océan? Est-ce que tu trouves que c'était une bonne idée ou t'aurais plutôt imaginé quelque chose de plus calme? Ouais, c'est vrai qu'on a, surtout... de la flûte ou des musiques faites avec des notes très très longues ou ont un effet de résonance sur certains instruments pour exprimer la grandeur de l'environnement dans lequel se passe le documentaire à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était bien. En fait, on peut mettre à peu près toutes les musiques qu'on veut dans des scènes océaniques, du moment que ce qui se passe à l'écran est bien retranscrit, du moment que la musique s'assoit sur les mouvements, prend les mêmes mouvements que l'image. Et là, j'ai trouvé que c'était le cas. D'accord, c'est intéressant comme sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir justement sur cette musique ou est-ce qu'on passe directement à la grande thématique de l'épisode qui est le comportement parental? Bah, je trouve que justement les musiques sont plutôt appropriées dans l'ensemble par rapport au thème hein, également. Les ambiances sont quand même vachement bien retranscrites. Personnellement, je trouve que les musiques manquent un peu d'ambition. Elles passent un peu inaperçues. C'est un peu dommage parce que bah, elles sont très belles. Et c'est dommage que la variété des instruments utilisés n'est pas toujours au rendez-vous et ça a tendance à s'éclipser avec la voix du narrateur, je trouve. Je suis d'accord et j'irai même plus loin, c'est que j'aurais bien aimé des musiques un peu plus calmes à certains moments parce qu'il y a des grandes envolées lyriques un peu épiques et ça casse un petit peu l'aspect contemplation du documentaire. C'est un peu dommage. D'ailleurs, la musique qui a été faite par Hans Zimmer, on connaît assez bien. Je trouve que ça faisait vraiment film de super-héros à certains moments. Ça m'a un peu dérangé, même si la plupart des musiques étaient magnifiques. Bon, après, dommage, on n'a pas eu Spider-Man dans l'épisode. Et justement, en parlant de choses épiques, on va parler de quelque chose qui est un peu plus dans la norme. C'est quand même assez surprenant de commencer une série d'épisodes par le thème du comportement parental. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou vous auriez aimé plutôt commencer par un autre thème? Alors, j'ai quand même plus de choses à dire sur le comportement parental présenté en lui-même, mais je trouve que c'est déjà une bonne note de la part du documentaire de présenter les dinosaures et autres animaux présentés comme ayant un comportement parental. Ça, et c'est important de le noter, ça casse une vision qui est maintenant encore la vie dure, qui commence déjà à s'écrouler, mais c'est chaud. C'est-à-dire les animaux du Mésozoïque, donc dinosaures, ptérosaures et reptiles marins, ne sont pas parentaux. Ils sont juste, ils pondent et ils laissent les petits vagabonder, un peu comme beaucoup de reptiles le font aujourd'hui. Je pense aux tortues ou à différentes espèces de lézards. Donc là, c'est bien de montrer le côté soft des dinosaures et de leur montrer prendre soin de leurs petits. Que c'est une bonne note. Mais alors là, justement, Nico, tu nous parles beaucoup de dinosaures, mais c'est ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ce sont même pas les dinosaures qui sont le centre du documentaire, enfin de ce premier épisode du documentaire. On a une diversité avec les ptérosaures, on a aussi du mosasaur, hein, coucou Eiffel. On a des ammonites. Bah justement, Venator, est-ce que tu peux nous parler du comportement parental chez les ammonites dans cet épisode? Sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais est-ce que tu trouves que c'était une bonne idée? Ça aurait été une bonne idée.
Le problème, c'est qu'on le voit pas. On voit seulement la parade amoureuse, mais on voit même pas la fécondation. On voit pas non plus la ponte des œufs. On nous raconte que les ammonites vont pondre sur les fonds marins. La plupart du temps, les céphalopodes pondent pas aussi profond que ça, parce que sur les images, on peut voir que c'est quand même des grands fonds, quoi. Donc plus proche de la surface, sur des récifs. Et on n'a pas vu la ponte. C'est vrai que la plupart des céphalopodes, après la ponte, meurent, mettent fin à leur jour. Là, on voit simplement la fin de la parade amoureuse et on voit pas la ponte. On voit directement les céphalopodes juste après mourir sur la plage. Et je pense que c'est un problème parce que c'est assez brutal. Le spectateur peut très bien se dire, comment est-ce qu'ils pondent ? Leurs œufs sont échoués aussi ou... Voilà, je trouve que c'est assez brutal. Personnellement, je vous avoue qu'à ce moment-là, je n'ai rien compris. J'ai pas compris pourquoi elles étaient mortes. Je me suis dit, il fallait faire une transition. Du coup, elles meurent. Donc bon, c'était un petit peu spécial. Et il y a un autre animal qui rompt le thème du comportement parental, c'est le mosasaur. Est-ce que toi, Eiffel, justement, tu aurais aimé voir ce comportement parental chez le mosasaur ou tu trouves que c'était pas nécessaire et que ce qu'ils ont montré dans l'épisode était largement suffisant? Bah, pour juste un épisode avec tout ce qu'il y avait d'autre à montrer, oui, c'est suffisant, sans compter que parentalité chez un mosasaur, tous ses plus proches parents actuels sont absolument pas des exemples de parentalité. Pour avoir un minimum de parentalité chez les lézards, pour rappel, les mosasaurs sont des lézards, il faut aller du côté des lézards qu'on appelle les syncomorphes. Mais là... Bon, les syncomorphes, c'est déjà très éloigné des mosasaures, puisque les mosasaures, ce sont soit des cousins des varans, soit des serpents. C'est pas encore très clair. Alors, juste, Eiffel, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les syncomorphes? Est-ce que tu auras un exemple de syncomorphes? Un exemple de syncomorphes, le sync à langue bleue, là, hein, c'est un lézard qu'on a parfois dans les gifs, là, celui qui tire une grosse langue bleue, là. Ah oui, Ouais, qui vient d'Australie. Celui qui a bouffé un bonbon, là. Voilà, c'est ça. Donc, exactement, Nico, voilà, il y en a en Australie. Et justement, dans les espèces australiennes, il y en a un qui prend justement la femelle. Elle reste un petit peu avec les petits. Mais voilà, bref, c'est un groupe de lézards qui est éloigné des mosasaures. Alors, il y a un paléontologue, Takuya Konishi, qui avait proposé cette idée. Mais bon, on est sur de la spéculation à ce niveau-là, donc... Je trouve ça très bien qu'il n'ait pas montré, parce qu'effectivement, en se basant sur les parents les plus proches des mosasaures, techniquement parlant, il n'y aurait pas de soins parentaux. Enfin, a priori, il n'y a pas de soins parentaux. D'accord. Mais t'aurais pas aimé que ça soit précisé, ça, justement ? Non, parce qu'en fait, au final, ils n'en ont pas montré. Donc, voilà. Pour moi, ce qu'ils ont... Voilà, je préfère discuter de ce qu'ils ont montré du mosasaure, et ils n'ont pas montré, du coup, le mosasaure avec de la famille, contrairement aux autres. Et j'ai envie de dire, d'un côté, tant mieux, parce que je trouve... Déjà, rien que là, dans le premier épisode, ça fait beaucoup de comportements familiaux. Et je trouve qu'il y a presque un effet inverse. C'est-à-dire que là, d'un coup, on commence quand même à mettre une grosse dose de « Eh, vous avez vu, vous pouvez vivre en famille ». Alors certes, je veux pas garder cette image qui était un peu avant de « Oh, ils étaient souvent solitaires ». Mais je trouve que dans Sur la Terre des Dinosaures, par exemple, il y avait un meilleur équilibre entre les espèces qui avaient un soin parental et celles qui n'en avaient pas. Chose que là, on n'a pas, à mon sens, déjà dès le premier épisode. Parce que tous ceux qu'on voit, quasiment tous ceux qu'on voit, ils ont une famille. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Alors non, pas tous, parce qu'il y a notamment les petits ptérosaures qui décollent depuis une île où ils n'ont pas de famille. Ils sont largués comme ça à eux-mêmes. Ah, j'ai envie de te dire, ils n'ont pas tellement le temps de s'en rendre compte. Ils font tellement de... une si courte apparition dans l'épisode. Bah, c'est surtout que c'est les seuls. Non, ils sont quand même bien présentés. C'est les seuls de l'épisode de mémoire. Je crois que c'est les seuls où vraiment les parents sont pas du tout là. On comptera pas Arkelon aussi. Mais quand même, enfin, c'est pas beaucoup, quoi. En termes de proportion, je veux dire, sur les stars. Ouais. Bon, après, je crois que c'est la fin de la série, mais voilà. C'est ça, il y a Kakaï Filou, il y a aussi le poisson, le pycnodonte, qui n'a pas de famille, malheureusement. À quand un spin-off sur le pycnodonte? On en parlera après, Nico. je donne mon argent. Est-ce qu'on est bon pour ceci et puis pour que je fasse ma fameuse transition et que là j'ai un peu de choses à dire parce que je suis un peu colère. Effectivement. Alors d'abord, je vais juste transition. Non, je vais juste préciser un petit truc.
C'est sûr, hein, le retour de Hank, le T-Rex. Le truc qui a été montré dans Prehistoric Planet, c'est que ce n'est pas la femelle, mais c'est le mâle qui s'occupe des petits. Je trouve que c'est quelque chose de bien, vu qu'on a tendance à oublier que ce n'est pas que les femelles qui s'occupent des bébés animaux. C'est notamment le cas chez pas mal d'espèces d'oiseaux, comme l'émeu ou le casoar, où c'est le mâle qui va élever les petits jusqu'à leur majorité sexuelle, ou jusqu'à ce qu'ils soient sevrés et qu'ils puissent vivre leur vie. Donc je trouve ça bien qu'il soit basé aussi sur les oiseaux et ainsi de suite, pour mettre le mâle qui s'occupe des petits. C'est un bon point, je tenais à le souligner. Bah, je rebondis juste vite fait avant la transition. Je trouve que c'est un bon point d'avoir mis le mâle et pas la femelle, parce qu'il est exactement là pour la même raison que ce que vient de dire Nico. Par contre, en fait, et c'est moi le truc qui me chagrine, c'est qu'ils sont allés trop loin, à mon sens, avec le côté papa amène... avec une petite aventure donc sur cette île. Voilà. Je trouve que là, il y a une narration qui est un peu trop exagérée, sans compter qu'on parle de Tyrannosaurus Rex. Pour un épisode qui s'appelle La Côte, je pense que juste faire rester la famille T-Rex sur la plage, sans aller nager sur une autre île, je pense que c'était suffisant. Sur la plage du continent, de la Laramidia, je pense que voilà, ça suffisait. Alors, mais je pense que nous sommes connectés, Fel et Nico, c'est une parfaite transition pour que je puisse continuer, parce qu'on va pouvoir un petit peu parler du T-Rex maintenant. Alors, le T-Rex, c'est quand même le premier animal qu'on voit dans l'épisode. Hein. Avant même, justement, d'être mis en CGI, on voit David Attenborough devant un squelette de T-Rex. Et alors, là encore, moi, j'ai beaucoup de mal avec le T-Rex, parce que j'aimerais bien que d'autres animaux soient mis en avant. Bon, là, je comprends le principe, c'est ça qui... Bah, il faut aussi... amener le financeur à financer la série, hein, donc le T-Rex ça aide quand même, vu que ça rapporte de l'audimat. Mais j'ai un gros problème avec les paroles de David Attenborough qui, encore, véhicule ce cliché comme quoi le T-Rex est le plus grand prédateur du monde, etc. Non, faut arrêter avec ça, c'est bien beau, mais non, déjà en taille, non. Et en plus de ça, y a quand même des études qui tendent à penser que c'était plutôt un charognard. Alors, un charognard reste un prédateur, hein, mais là encore, il véhicule un petit peu l'image de Jurassic Park, comme quoi c'est un animal qui est constamment en train de vouloir manger. Je suis pas tellement, voire même pas du tout d'accord avec ça. Et, je sais pas, il n'y avait pas besoin pour moi de mettre de dinosaures dans cet épisode-là, parce que ça s'appelle La Côte. Ça aurait été bien, justement, de prendre le temps d'écran qu'a le T-Rex, pour mettre d'autres animaux en valeur. Justement, il y a un consultant scientifique sur les bivalves, et bah faites une histoire sur le papa bivalve qui a rencontré la maman bivalve et qui s'affronte des brachiopodes. Je ne sais pas, faites des choses. Mais faut arrêter avec le T-Rex, très sincèrement, et je sais pertinemment que c'est pas la dernière fois qu'on le verra. Ça m'attriste un peu. Mais il faut arrêter de véhiculer cette image-là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a quand même d'autres choses à dire sur le T-Rex que toujours en revenir à c'est le plus grand prédateur de tous les temps. Oui, il est gros, méchant. C'est un peu énervant. Je vais rebondir sur deux petits trucs très vite fait. Déjà, avant que tu te fasses taper sur les doigts, évite de parler de brachiopode quand tu parles de bivalve. Non, j'ai dit brachiopode et bivalve, les deux. Ah. Non, non, t'inquiète pas, brachiopode quand même. Tu étais dans le même panier, bon pardon. Alors ah non, 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 je veux juste une guerre. J'ai eu très peur. Je veux une guerre entre les deux. Je veux une guerre entre brachiopode et bivalve, c'est tout. Bon, ça va, tu milites, ça va, si tu milites pour les deux, alors c'est bien. Non, mais pour Messire T-Rex, ouais, je pense que... alors, il y a un petit contexte, je crois, quand il parle de la taille, parce qu'il me semble de mémoire qu'il précise à ce moment-là, sur la tête, c'est le plus grand prédateur terrestre à ce moment-là. Son contexte, c'est censé se passer du coup au Maastrichtien. Ça, en somme, c'est plutôt legit. C'est plutôt legit, oui. Après, je me souviens pas que c'est précisé de cette époque-là. À revoir. Mais je crois pas. Il me semble qu'il a dit à ce moment-là, donc at the time en anglais. Il me semble, donc, pareil. Donc c'est à peu près précisément à ce moment-là, donc circa potentiellement 66 millions d'années. Moi, c'est potentiellement le Tyrannosaurus Rex qui est le plus grand il y a 66 millions d'années. Alors moi, j'avais compris plutôt que c'était à ce moment-là dans les recherches, moi. J'avais compris. Bah de ce moment-là, de toute façon, oui, c'est lui le... À ce moment-là, temporellement, oui, sur la terre ferme de connu, c'est lui le plus imposant, le plus gros. Ils ont bien précisé sur la terre ferme, parce qu'après, ils montrent un mosasaur qu'ils disent plus grand que le T-Rex. Oui, le double, bien sûr. Deux fois plus grand.
Jurassic World. Ah, c'est ce que j'allais dire. Si on gueule sur Jurassic World, ah bah là, vous pouvez gueuler aussi. Hein. Faites-vous plaisir. Mais du coup, ça fait 24 mètres. Grosse erreur de narration, là, pour le coup, c'est une très très grosse erreur. C'est dommage. Totalement. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut préciser et qui est excellent. Ils ont précisé 66 millions d'années et ils ont gommé le 65 millions d'années. Ça, il faut quand même les féliciter parce que c'est pas tous les reportages qu'ils font. Voilà, c'est ça. Oui, même... c'est très très bien. Après, comme tu dis, il y a quand même le T-Rex qui est en grosse star. Alors après, voilà, ils ont pas voulu le montrer en mode full prédateur justement dès le début parce que là, c'est le papa et puis quand il mange, là, pour le coup, il mange quelque chose qui est déjà mort. Je pense qu'on en parlera un peu après. Oui, oui, oui. Mais c'est bon, c'est vrai que c'est un peu, voilà, un peu cohérent dans le sens avec certaines recherches où c'est vrai que du prédateur fou furieux qui mange H24, c'est vrai que là, ça tempère, justement. Ça le montre plus opportuniste, comme les prédateurs de maintenant qui, de temps en temps, ben voilà, ils trouvent quelque chose de mort, ben, ils vont pas rechigner. Mais comme tu dis, je pense qu'effectivement, ça aurait été... je sais pas vous les autres, parce que c'est vrai que là, tout le monde n'a pas vraiment répondu là-dessus, mais comme Karcha, je trouve que le T-Rex aurait peut-être pu être intégré dans un autre épisode et avoir plus de temps d'écran. Et là, vu qu'effectivement ça s'appelle la côte, plus se concentrer au maximum sur ce qui vit dans la mer. Mmh. C'est d'accord. Je suis après... même très d'accord. En fait, le problème pour moi de l'intégration de ce T-Rex, déjà c'est le T-Rex, donc c'est dommage parce que il va revenir ailleurs, donc c'est pas nécessaire à mon sens. Et surtout, ils lui ont donné un comportement parental, c'est bien, mais il y a tout un tas d'autres choses qu'ils ont précisées. C'est très très imaginatif. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais quand je trouve qu'il y a beaucoup trop d'imagination sur l'animal pour le coup. Je tiens juste à dire quelque chose avant de que tu continues de voir. Tu viens de dire qu'il réapparaîtra après. Moi, Nico, Edouard et Venator, pour l'instant, n'avons vu que le premier épisode. Il y a que Eiffel qui les a tous vus, donc en fait, on est les spectateurs lambda, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc ne nous tombez pas dessus s'il y a des choses qui reviennent après. Voilà, je tiens juste à dire. Ouais, ça peut se spoiler. Ça se trouve, plus tard, on reviendra totalement sur ce qu'on a dit en disant oh, en fait, c'était du génie. Spoiler, non. Oui, c'est pas. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter de s'étayer en prévisant la suite. Là, on se calque sur ce qu'on a vu. Et je suis très dubitatif sur la nage du tyrannosaure, comme ça, déjà parce que, je doute qu'il ait à traverser d'île en île pour aller chercher à se nourrir. Je sais pas, je me serais peut-être demandé. Peut-être qu'il y a une arcolone aussi grande, c'est peut-être très rare, je sais pas, enfin, faut voir. Et enfin, mis à part ça, je trouve que le fait que le mâle nage quand même assez vite, hein, avec des mouvements, bon, plutôt, vifs. Les petits suivent quand même vachement bien. Hein, quand on regarde finalement la scène où quand tu vois les pattes bouger de tous les animaux, je sais pas, je me demande s'il y a pas un petit problème, hein, parce que je me dis les petits ça doit être assez éprouvant pour eux. C'est comme les canards. C'est comme les canards. Ah oui, non mais voilà, c'est ça. Et bon, c'est pas que je veux pas que le dinosaure sache nager, mais la compilation de tous les trucs du comportement parental, le fait qu'il y ait le renseignement sur le nombre de petits, le comportement maternel, que ce soit le père qui s'en occupe, que le tyrannosaure nage d'île en île pour aller manger parce qu'il a repéré l'odeur à des kilomètres et des kilomètres, je trouvais que ça faisait beaucoup et surtout que ça n'avait pas forcément besoin d'être autant étayé à la narration. Je suis totalement d'accord et en plus de ça, ils nous disent quand même qu'il était capable de se défendre dans l'eau. Alors là justement, je vais me tourner vers Eiffel vu qu'il a quand même lu pas mal d'articles sur le T-Rex. Je ne pense pas qu'on ait un article qui, et je suis même pratiquement sûr qu'on n'ait pas un article qui dise que le T-Rex savait se défendre dans l'eau. Spoiler, non. Alors d'ailleurs, les éléments scientifiques qu'on a qui permettent de supposer que des théropodes nagent sont pas reliés au T-Rex. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves comme quoi, voilà, vraisemblablement, ça c'est le T-Rex qui a certainement laissé ses empreintes. Ça, on n'a pas. On a pour d'autres théropodes. Après, du coup... on a quand même des gros théropodes, hein. Pas que des petits, mais... Donc le T-Rex, on n'a pas de preuves formelles qu'il pouvait nager, déjà. Bon, après, voilà, on a des preuves que des théropodes pouvaient nager, donc sur ce point-là, pourquoi pas se défendre dans l'eau. Bon, je veux bien qu'il puisse donner des coups de patte. Arriver à mordre, ça me paraît un peu compliqué, dans le sens où quand même le T-Rex, comme beaucoup de dinosaures, et comme ils le disent dans le documentaire à juste titre, ce qui l'aide notamment à nager, c'est le fait qu'au niveau des os, il a plein de petits sacs aériens, ça allège la structure.
En plus de ça, les os sont assez creux. Donc il a toute son anatomie qui, voilà, l'aide à la flottabilité, entre guillemets. Donc il va pas pouvoir non plus se défendre trop. C'est-à-dire qu'il peut un peu mettre la tête sous l'eau, ça, c'était pas trop exagéré, j'ai trouvé, le peu quand il met la tête sous l'eau pour surveiller, même si je trouvais ça exagéré, le côté surveiller. Ce qui m'arrive. Surveiller pour perdre un bébé derrière, hein, c'est une très bonne idée. Ça. Voilà, surveiller pour perdre un bébé, c'est complètement... Ben, là aussi, bon, on en reparlera un peu après sur le T-Rex, mais il y a un truc là qui est assez stupide de ce point de vue-là. Mais donc non, et puis... Alors après, j'ai envie de dire, un mosasaur qui serait dans l'eau... Il a d'autres proies, en fait, déjà dans l'eau. Donc, même si un T-Rex, on va dire, finit pour une raison X ou Y dans la flotte, bon, je vois pas pour quelle raison le mosasaur irait plutôt attaquer le T-Rex alors qu'il a, voilà, il a plein d'autres vertébrés marins et des grosses ammonites, etc. Enfin, s'il a faim, voilà, il a plein d'autres choses à manger. Donc, voilà, le côté, le T-Rex peut se défendre, enfin, l'adulte peut se défendre du mosasaur qui l'attaque. Bah, dans l'absolu, oui, je connais aucune bestiole qui essaie de pas se faire becter quand on l'attaque. Mais là, c'est beaucoup trop spéculatif et c'est pas assez étayé. Là, clairement, ça, c'est quelque chose qui était là pour de la romance, pour tenter de mettre, je pense, du rythme, quelque chose, de la tension dramatique. Mais bah, scientifiquement, ça servait à rien, quoi, de dire ça et de vouloir mettre ça en scène, quoi. Exactement. Et il y a un autre petit regret, j'aurais une autre petite remarque à faire derrière, c'est que, bah, justement, Edouard a mentionné le nom de Arkelon. Mais cette tortue-là n'est même pas nommée. C'est un peu triste. Et on passe sur le T-Rex, justement, on voit ces grosses tortues qui sont juste nommées grosses tortues, hein. Mais on ne donne pas le nom de l'Arkelon. Un petit peu dommage. Et alors là, je voudrais juste avoir un tout petit tour de table en une phrase. Est-ce que vous pensez comme moi que cette phase avec le T-Rex, c'est le gros point faible, avec une autre scène, mais on en parlera plus tard, et le gros point faible de ce premier épisode, et que bah, c'est basé pratiquement que sur de la spéculation, et c'est très dommage. Alors déjà, je pense que s'ils avaient voulu commencer avec le Rex, ce qui est quelque chose que je conçois, je suis pas sûr que la côte soit le meilleur épisode pour commencer, du coup. Parce que le T-Rex, je suppose, il savait nager, probablement, mais je suis pas sûr que ce soit son environnement de prédilection, le milieu côtier quasiment marin. Donc je pense que s'ils voulaient commencer par le T-Rex, ils auraient peut-être dû commencer par peut-être la, bah, je spoil un peu les autres, la forêt par exemple, que la côte. Mais bon, là ils ont fait comme si, c'est un peu dommage. Mais effectivement, le fait qu'on voit le Tyrannosaurus Rex, bah, c'est un peu dommage. Ils auraient peut-être pu prendre un autre dinosaure qui vivait près de la côte à ce moment-là. Forcément, devait y en avoir. Je pense à un autre environnement en tête. Mais voilà, donc si vous voulez commencer par le T-Rex, c'est pas forcément le meilleur épisode. Et c'est vrai que ça fait un peu tâche, finalement, de voir un dinosaure majoritairement terrestre sur un environnement côtier. D'accord. On a à peu près du même avis, du coup. Edouard. Bah, la scène, pour moi, est pas mauvaise. Hein. Elle est plutôt sympathique. Après, voilà... Oui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de spéculation. Moi, le problème n'est pas tant qu'il y ait beaucoup de spéculation, parce que dans un docu-fiction, bah, oui, ils sont obligés. Mon gros problème, c'est que le combo, qu'il y en ait beaucoup, que le ton tend à tout justifier sur son comportement, bah, qui est complètement imaginé pour le coup, et le fait que ça soit dans l'épisode de la côte, c'est dommage, parce que pour moi, c'est... Ça dénote un peu avec le reste de l'épisode, juste sur le principe. Après, je dis pas en termes de qualité, c'est pas une scène horrible à regarder, et en soi, ça reste du pinaillage dans l'ensemble, ce que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, je trouve que parler du tyrannosaure dans cet épisode, c'est vrai que sur le principe, on aurait pu en parler dans un épisode où bah, on se concentre sur un environnement peut-être plus terrestre, ou alors le mettre en passage anecdotique, comme sur la Terre, l'épisode spécial avec Nigel, où on voit un tyrannosaure sur la côte. De manière anecdotique. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, justement rugir au loin. Et justement, je trouve que c'était une bonne intégration de l'animal. Ça aide parce que bah, beaucoup de gens peuvent se resituer en se disant « Ah oui, lui, je le connais, voilà, parce que beaucoup de gens connaissent le tyrannosaure. » Et en soi, ça permettait de ne pas non plus se concentrer trop dessus et de se concentrer sur le reste. Donc on aurait dû appeler cet épisode « La côte featuring le T-Rex ». Merci Edouard, effectivement. Je pense que ça résume assez bien ton avis. Pour moi, c'est un peu ça. Hein. D'accord. À toi, Venator, toi qui es plutôt sur les céphalopodes, est-ce que tu pensais que c'était une bonne idée de mettre ce T-Rex là ? Ben, c'est vrai que, comme a dit Edouard, ils l'ont mis très certainement pour satisfaire les spectateurs dès le premier coup d'œil, en se disant oui, je connais, c'est un T-Rex. Et ensuite, le but était certainement de casser directement l'image du gros monstre
C'était une bonne idée dans le fond. Le problème, c'est que ça a été un peu saccagé. Voilà. D'accord. Concis mais clair. C'est du Venator. C'est beau. Eiffel, à toi. Bah alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Idéalement, pour un épisode de la côte, j'ai mis le T-Rex, comme j'ai dit tout à l'heure déjà. Je rejoins ces avis-là. Par contre, dans l'optique où on va dire que c'est le premier épisode, pour accrocher le spectateur, pour vraiment donner l'envie, etc., pour le côté paléo-nerd, geek, tout ce qu'on veut, il faut absolument caser le T-Rex. Alors, je ne serais peut-être pas allé sur un caméo, mais je pense que je l'aurais gardé pour la fin, déjà, pour la fin de l'épisode. Et sachant qu'avec les ammonites, on a droit à une petite séquence nocturne, moi j'aurais joué sur ça, donc avec la nuit, la lune, un petit effet marée, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas, du coup, avec la marée, donc on aurait eu une presqu'île où il y aurait eu du coup un petit corridor de terre qui l'aurait relié du coup au continent, et où pourquoi pas justement on aurait eu un pas à pas T-Rex avec du coup ces petits qui, ben voilà, il y a le corridor qui va jusqu'à l'île. Sur l'île, il sent qu'il y a de la nourriture, il sait pas ce que c'est, et puis voilà, il emmène les petits, et puis bon, ben voilà, surprise, voilà, une tortue marine morte, voilà, ils se font plaisir. Quitte à absolument mettre le T-Rex et le fait qu'ils doivent aller sur l'île et le fait qu'ils, voilà, ils doivent manger, enfin. Par rapport au reste de l'épisode, moi, j'aurais fait cette fin-là que je viens de narrer, et je pense que ça aurait été suffisant et que ça aurait été sympa. Vous l'aurez compris, la BBC, engagez-nous, on fera des meilleurs reportages que vous. Pas cette prétention. Moi, je l'ai. Il faut être ambitieux dans la vie. on parlait du T-Rex, qui n'avait pas forcément sa place dans l'épisode, pardon. Mais il y en a un qui avait bien sa place, c'est le Mosasaur. Est-ce que pour vous c'est une réussite ce Mosasaur, ou c'est plutôt en eau trouble, quelque chose de mitigé, il y a du bon, il y a du moins bon, est-ce que on est tous d'accord, c'est au-dessus de Jurassic World, c'est compliqué de faire en dessous, mais est-ce que c'est à la hauteur d'un docu on va dire de ce calibre là? Moi j'aime mieux celui de Jurassic World. Honnêtement, celui de Jurassic World, je l'ai préféré parce que je trouvais qu'il avait une meilleure mise en matière. Bon, allez, on arrête les bêtises. Bravo. Non, très sincèrement. Il est rigolo, c'est le rigolo de la bande, vous inquiétez pas. Voilà, évidemment, c'est un comique. Non, plus sérieusement, non, il est vraiment très très bien. J'ai bien aimé cette scène, c'est l'une de mes préférées de l'épisode, pour être honnête. Alors, d'un point de vue ambiance, etc., pour moi, c'est celle qui avait l'un des meilleurs potentiels. Je parle pas du fond scientifique, hein, mais vraiment cette scène-là, elle est très belle, elle est très touchante, elle est très relaxe, c'est cool. L'apparition même des animaux autour de lui, c'est vraiment l'une de mes parties préférées, parce qu'en fait c'est l'un des seuls moments où on se concentre sur du plus petit. Autre chose quoi, que des trucs vraiment super connus, des grands pliosaures, des plésiosaures, des ptérosaures, c'était bien de se concentrer sur des poissons, voire des crevettes. Je trouvais que c'était cool. Le mosasaur en lui-même, moi je le trouve très joli. Après, je ne suis pas un grand expert de l'animal, et il y a peut-être du travail de détail derrière, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a une belle allure. La scène est bien, y compris là avec le combat. Oui, en termes d'ambiance, la scène est bien. D'accord. Moi, je suis à peu près de cet avis-là aussi, c'est peut-être ce qu'on retient le plus d'épisodes. C'est le seul animal auquel on s'attache vraiment. Moi, la scène où il y a le mosasaur, le vieux mosasaur qui se fait attaquer, on a eu le temps de s'attacher un peu à lui, il y a eu un petit peu de background, etc. On est un peu en mode « Ah mince, il va peut-être mourir ». Bon, on sait qu'il va pas mourir parce qu'il y a le scénario. Il est assez cool. On a un peu une tranche de vie d'un mosasaur, c'est pas si mal, même si, bon, il y a des choses à redire. Et là, je laisserai Eiffel en parler parce qu'il est beaucoup plus calé que moi sur le sujet. C'est peut-être le meilleur point de l'épisode, avec les Tuaranguisaurus aussi qui sont pas mal. Bon, on pourra pas parler de tous les animaux dans ce podcast-là. Mais big up aussi aux Tuaranguisaurus qui sont très cool et qui me rappellent vraiment les films de Loch Ness que je regardais quand j'étais petit. Mais du coup, Eiffel, parle-nous un petit peu de ce mosasaur qui a quand même pas mal animé le débat hier quand on en discutait. Alors, le mosasaur de Préhistorique Planète. Donc moi qui m'avais énormément hypé avant de voir le docu, notamment avec une image promo. Allez, je prends pas de gants, ça reste quand même... Alors, l'espèce la première qu'on voit vraiment, qui est développée narrativement, c'est Mosasaurus Hoffmanni. D'ailleurs, ils le surnomment Hoffman, c'est rigolo. Ils disent Mosasaur de Hoffman, ouais.
c'est le plus beau pour l'instant. Vraiment, il éclipse tout ce qui a été fait avant dans les documentaires. Alors, il y en avait quand même quelques-uns qui étaient beaux avant, dans des docus. Mais là, c'est vrai que... Là, il est passé devant. C'est indiscutable. Il n'y a pas de débat. Il est vraiment très, très bien fait. On a bien les dents palatines. Il n'a pas des mâchoires de crocodile. Enfin, justement, voilà, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est vrai que... j'ai vu quelques retours sur Twitter. Il y avait beaucoup de gens, notamment, qui le comparaient à un Varan. Et c'est là où je trouve quand même que c'est réussi. C'est quoi, quand t'as un mosasaur qui... Il renvoie pas une image de dinosaure ou de crocodile, le pari, il est gagné, quoi. Pour le coup, s'il y a bien un animal préhistorique où on peut dire, sans se tromper, ça c'est un lézard, c'est lui, et là, le fait qu'il renvoie cette image, c'est super cool. Comme l'a dit Edouard, je rebondis sur ça, c'est vrai que je vais reprendre un peu les commentaires du paléontologue Dale Russell à propos de Jurassic Park. Il disait que sur les dinosaures, le rendu était intéressant, mais les détails n'y sont pas. Ben pour ce mosasaur, c'est exactement ça. Le rendu est très intéressant, c'est très beau à voir, mais les détails n'y sont pas. Par exemple, pour les narines, trop en avant pour moi, alors qu'on sait que normalement elles étaient plus rétractées. Ensuite, les caillures, les écailles, on sait sur les lézards actuels que c'est pas homogène, notamment au niveau de la tête et le reste du corps, voilà, les écailles sont différentes. Chez les mosasaures, on a un exemple, on a un Platycarpus, donc c'est un mosasaure, voilà, pareil, du Crétacé supérieur. Donc on a retrouvé du coup des empreintes de peau, et donc on voit au niveau des écailles, pareil, que les écailles sont hétérogènes selon où on se trouve. Techniquement parlant, voilà, ça aurait été intéressant de le faire. Là, ils ont fait copier-coller. Alors d'un côté, je les excuse dans le sens où, bon, ben, je me dis, voilà, ils ont fait, voilà, faut gagner du temps. Déjà que le modèle global, il est beau et il bouge bien. Bon, allez, je passe là-dessus. Par contre, quelque chose que j'excuse absolument pas au Mosasaur, c'est le côté coloration. Le fait de dire le mâle, là, il va se parer en rouge, il va se faire beau, entre guillemets. Il n'y a aucune preuve là-dessus. La seule étude qu'on a en termes de pigments colorés en lien avec les mosasaures et d'autres reptiles marins, ça nous indique qu'à l'instar de plein d'autres vertébrés prédateurs, le ventre est plus clair que le dos. Et on sait que dans l'actuel, les orques, les requins blancs ou d'autres, hein, les mâles, ils vont pas prendre de belles couleurs pour les femelles. Non, parce qu'on est chez des espèces où le dimorphisme sexuel, c'est la taille. C'est lui le dimorphisme majoritaire. Sachant juste que, pour redonner à César ce qui est à César, Venator avait fait une très bonne remarque hier, et je sais pas si tu pourrais la redire, Venator, par rapport à la couleur rouge sur le mosasaur, qui est un petit peu débile. Est-ce que tu peux nous redire pourquoi, Venator ? Alors oui, effectivement... dans l'eau, la couleur rouge ne se perçoit pas à partir de 5 mètres de profondeur. L'eau agit comme un filtre qui laisse passer plus ou moins de lumière et plus ou moins de longueur d'onde. Et le rouge, c'est celle qui disparaît en premier lorsqu'on plonge. C'est pour ça que on ne voit jamais d'équipement de plongée rouge. Ou alors, on peut en voir, mais c'est assez rare. Ça permet de te voir quand tu remontes à la surface et de ne pas déranger avec cette couleur pétante les animaux que tu observes. Donc ce mosasaur sera resté vierge toute sa vie, c'est ça que tu me dis, Venator ? Exactement, parce que ça sert pas à grand chose finalement, à moins que il se mette directement à la surface de l'eau pour parader, ce qui est pas très pratique, quoi. Ok, il y a des mosasaurs volants, quoi. Je te laisse continuer, Fel. Je vais enfoncer le clou, en fait, pour faire un finish avec ce que vient de dire Venator, qui était super intéressant. Et tout simplement parce que si on prend du coup les parents les plus proches des mosasaures, donc les varans, à de très rares exceptions pour les quelques serpents, les mâles ne vont pas se parer de belles couleurs. Parce qu'encore une fois, alors que ça soit du côté des serpents ou des varans, là aussi le dimorphisme sexuel, c'est essentiellement la taille. Soit les mâles sont plus grands que les femelles, cas typique chez plein de varans, comme le varan de Komodo, ou par exemple l'Antanotus, qui est un lézard semi-aquatique proche des varans. Ou alors ça peut être l'inverse, les femelles qui sont plus grandes que les mâles, ce qui est le cas chez de très nombreux serpents. Donc clairement, à la limite, alors ça aussi, voilà, on peut avoir des fois les écailles, mais c'est pas utilisé dans la parade, quoi. Le fait que les mâles vont avoir des écailles différentes, enfin, c'est pas forcément utilisé, en tout cas chez les varans, hein, par exemple. D'accord. D'ailleurs, je reviens un tout petit peu sur
sur la couleur rouge. Vu que la couleur rouge n'apparaît plus au-delà de 5 mètres de profondeur, elle apparaît brun très sombre. C'est pour ça que lorsqu'on voit un animal saigner à plus de 5 mètres de profondeur, ça apparaît très brun, ça fait un gros nuage brun. D'accord. Et bah justement, pour finir sur le mazard et pour enchaîner sur le prochain animal, je vais laisser parole à Nico, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dire depuis tout à l'heure, mais il ne peut pas le dire. Vas-y, Nico, dépêche-toi, parce que il sait tout. Je vais mettre après encore. Tu nous hype, vas-y. Il sait tout. Alors, il y a quelque chose qui était qui est quand même assez important dans le scénario, c'est toujours sur la peau du mosasaur, c'est la mue. La mue du mosasaur, le mosasaur perd sa peau comme le font beaucoup de lézards et serpents aujourd'hui. Eiffel, qu'est-ce que tu as à dire sur cela? Parce que je ne sais pas si un animal marin comme lui pourrait muer. Alors, ils muent tous. Ça, voilà, je peux te rassurer là-dessus. Ils vont tous muer. Donc, leur exuvie, alors, soit c'est perdu en chaussettes, et les serpents, c'est ce qu'ils font. Hop, ça déroule tout. Enfin, presque tout, quasiment tous les serpents. Après, du côté des lézards, sinon, en fait, justement, ça part par petits bouts. Justement, ça squame, d'où le nom du groupe, les squamates. En fait. Oh putain, tu m'as appris quelque chose, je savais. Ah, ouais, ouais. J'ai le droit d'être surpris aussi en tant qu'animateur. Voilà. Maintenant, vous connaissez le secret. Mince, on est en podcast. Je vais faire une vidéo dessus maintenant. Et pas, ça reste entre nous, ça. Bah oui. On va le couper au montage. Edouard ne parle pas depuis tout à l'heure, il prend des notes, il fait des vidéos aussi, hein, fais gaffe. Ah ouais, non, mais vous croyez que je fais quoi depuis tout à l'heure là? Je prends toutes vos idées. Hein. Ah, je vais faire une vidéo sur la couleur rouge. Vas-y, écoute. Non, je disais, Nico, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une idée qui est très intéressante, le fait que, justement, d'autres petits animaux vont venir lui nettoyer, entre guillemets, les parasites, au passage, un peu lui enlever la mue. C'est très intéressant à montrer. Par contre, je contrebalance, un peu comme tout à l'heure avec le T-Rex. Ce que j'aime pas, là, c'est le fait de trop narrer ça en mode « il a un coin pour se poser ». Parce que le mosasaur, donc le Mosasaurus hoffmanni en question, c'est quand même un prédateur des fonds marins très ouverts, hein, qui va pas trop aller dans des milieux fermés proches de la côte comme des récifs, lui au contraire, non. Voilà, lui il est bien dans des grandes étendues, notamment au large, voilà, il vit très bien là-bas, pour chasser justement des grandes proies notamment. Donc là, le fait qu'il aille, qu'il se pose, qu'il chille sur le fond de la mer, c'est abusé. Le fait qu'il ouvre la gueule comme un crocodile, ça n'a pas de sens. Alors déjà, les crocodiles, généralement, quand ils sont justement en train de se reposer la gueule ouverte, ils sont à l'extérieur, hein, ils sont sur la terre ferme, ils sont pas dans l'eau quand ils font ça. Et d'ailleurs, quand ils ouvrent la gueule, pendant longtemps, on pensait que c'était pour réguler la température corporelle, sauf que visiblement, ça changerait pas trop, donc ce serait plutôt peut-être de la signalisation entre individus. Dans tous les cas, l'almosasaur, il était seul, donc intérêt sur 20 d'ouvrir sa gueule à ce moment-là, zéro. Pour moi, il n'a pas à se reposer au fond. Qui vienne, qui passe à la limite près du récif, qui ralentisse, et qu'il nage très lentement, que limite il se laisse porter, que pendant qu'il se laisse porter, là, à ce moment-là, il y a des petits poissons ou des crustacés ou quoi qui viennent le nettoyer. Ah, j'aurais dit là, très bien, c'est très cohérent avec l'actuel, c'est cohérent avec ce qu'on sait de la biologie du mosasaur. Mais là, le fait qu'il aille se reposer comme ça au fond, je dis non. Je dis vraiment non. Pardon, vas-y. Non, mais c'est ça. Le fait qu'il aille se reposer, c'est tout ça, Venator. Voilà, pour moi, c'est pas cohérent. Donc maintenant, la BBC, vous savez quoi faire pour une saison 2 et faire plaisir à Eiffel Reptile. Il est très beau quand même. Je veux dire, il y a sa langue aussi. Là, qui est bien montrée, ça, c'était bien. Eiffel, c'est le seul homme qui est content de voir des langues, quand même, faut le préciser. Non, mais voilà, la queue aussi, juste là-dessus, parce que quand même, c'est un petit un peu important sur l'animal, voilà, la queue, elle est bien montrée, quand même, que justement, c'était pas une queue serpentine, là, pour le coup, on voit vraiment les deux lobes de la queue, on voit très bien, une queue qu'on dit hypocerque, parce que c'est le lobe du bas qui est le plus développé, qui en plus contient les os. Donc voilà, non, ça, c'est, on va dire, voilà, la morphologie du mosasaur reste quand même très belle. Il a quand même toutes les caractéristiques observables qu'on aurait du vivant. Elles sont là. Donc voilà. D'accord. C'est juste dommage, voilà, pour son le comportement quand il vient se reposer, parce que même après, quand il se bat, le combat, juste là-dessus, parce que je sais pas vous, moi, le combat, il m'a
pas parce que c'est un combat entre deux mosasaures que j'ai beaucoup aimé, mais parce que vraiment c'était très très similaire à certains lézards quand deux mâles se mettent sur la tronche justement pour le territoire ou les femelles. C'était vraiment presque copier-coller avec la petite subtilité en plus parce que c'est dans la mer. C'était top. Hein. C'est vrai que c'était pas mal. Moi j'aurais juste une petite remarque par rapport à ma scène, en fait je la ferai plus tard, c'est que la mise en scène est très bien. Il y a eu quelque chose que j'aurais pas fait, mais ça on en reparlera dans l'aspect narration. Donc on va passer maintenant au câble 5G de l'épisode, les ammonites. Oh là là. Alors, bien qui c'est qui chaud, là. Voilà, là je tiens juste à dire, parce qu'on a quand même pris des notes pour l'épisode, j'ai noté pour les ammonites, parce que voilà, on dirait des câbles de fibre. Alors Venator, est-ce que l'homme s'est inspiré des ammonites pour créer les câbles de fibre avec lesquels je peux vous appeler actuellement? Eh bien, ces ammonites-là, en tout cas, peut-être, je sais pas trop. Attends, on est dans la partie fond scientifique, là, je peux expliquer des trucs où c'est encore fort. C'est ton moment, Venator, balance tout. Il demande s'il est chaud, là, ouais, il est chaud, là. Ok, bah je vais... Énerve-toi. Du coup, je vais parler des problèmes que pose la représentation des ammonites dans ce documentaire. Tout d'abord, la membrane brachiale, c'est-à-dire la membrane qui relie chaque bras. Cette membrane, chez la plupart des céphalopodes actuels, elle sert aux céphalopodes à être aidée lors de la propulsion, lorsqu'elle est déployée, parce qu'elle peut être rétractée grâce à de nombreuses papilles musculaires. Mais elle peut aussi servir à se laisser porter par le courant en étant déployée pour économiser son énergie, comme chez les cirrhotodontidés. Le problème, c'est que là, ces ammonites-là, elles n'en ont pas besoin de cette membrane, surtout qu'on les voit pas déployer cette fameuse membrane. C'est juste une petite membrane qui sert pas à grand chose. Et quand on est un céphalopode à coquille, on se déplace surtout grâce à la propulsion exercée par le siphon. Sauf que dans le documentaire, on les voit presque pas se déplacer grâce au siphon. Ils ont des saucissons, je ne savais pas, tiens. Voilà, on les voit presque pas se déplacer, non pas grâce au saucisson, mais grâce au siphon. Et on les voit par contre se déplacer avec cette membrane brachiale, ce qui n'est pas rentable d'un point de vue énergétique. La propulsion exercée par une toute petite membrane comme ça, c'est pas du tout assez pour propulser un céphalopode à coquille qui a un siphon qui est bien plus pratique pour ça. La plupart du temps, les céphalopodes qui ont ça, ils s'en servent pour se laisser dériver, pour économiser leur énergie. Sauf que là, ça va prendre beaucoup d'énergie. En plus de ça, ce que je trouve bien, au moins il y a des trucs bien, avant de revenir sur les trucs qui vont pas, il y a des trucs qui sont bien. J'ai trouvé que la texture est bien faite. À un moment, on les voit s'éteindre, entre guillemets, à éteindre le courant, t'as de la 5G. La texture de la peau est vachement bien faite. Ils ont choisi de faire une texture de peau un peu coléoïde, ce qui est totalement cohérent, avec des yeux à cornée et non pas des yeux sténopés comme ceux des nautiloïdes. Et c'est tout à fait cohérent, c'est totalement possible. Le principal problème, c'est la bioluminescence. La bioluminescence, en soi, c'est pas un gros problème. Des ammonites bioluminescence, c'est tout à fait possible que ça existait. C'est même très probable. Le problème, là, dans ce documentaire, c'est que ces ammonites ne sont pas simplement bioluminescentes, ce sont des ammonites lucioles. Ce sont des ammonites qui sont très, très, très luminescentes. Et il y a plusieurs problèmes à ça. Déjà, quand un animal possède des photophores, donc le petit organe, pas si petit que ça, d'un point de vue cellulaire, c'est pas si petit que ça. C'est un organe qui produit de la lumière, et lorsqu'il est situé dans le derme d'un animal, ici d'un céphalopode, il doit être organisé de manière cohérente. Ça forme souvent des lignes pour que les nerfs y aient accès facilement et pour occuper le moins de place possible dans le derme, parce que ça prend beaucoup de place d'un point de vue cellulaire. Et c'est des cellules qui utilisent énormément d'énergie pour faire de l'énergie lumineuse. Le problème, c'est que dans ce documentaire, quand on zoome bien sur la peau des céphalopodes qui illuminent, la lumière et les photophores sont répartis de manière très chaotique. Il y a pas d'ordre, en fait. On dirait juste qu'ils ont appliqué une texture sur le modèle 3D. Et c'est un... Bon, ça peut paraître comme un détail, mais
voilà, ça casse un peu l'immersion. Et c'est aussi très spéculatif de les avoir fait aussi lumineuses que ça. Dans ce documentaire, il y a beaucoup de spéculations, et là, ils les ont fait vraiment très 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 lumineuses. Actuellement, il n'y a même pas de céphalopodes aussi lumineux que ça dans le monde. Il y a les calmars lucioles, et encore, ils n'ont pas autant de photos fortes que ça, parce que ce qu'on a vu dans le documentaire, c'est terrifiant, c'est énorme. Il y a un comportement qui est décrit chez les ammonites, par exemple lorsqu'elles se reproduisent. Donc elles se regroupent toutes, elles font énormément de lumière pour parader, mais il y a plusieurs problèmes à ça, c'est qu'elles se regroupent pour parader, pour trouver leur partenaire sexuel, pour se reproduire, ça c'est normal. Le problème c'est que c'est la nuit, c'est qu'elles se regroupent, il y a des milliers d'individus dans ce qu'on voit à l'image, et ils font tous de la lumière. Et c'est dangereux, c'est très très dangereux, ça attire tous les prédateurs. Et puis ça peut faire sauter les plombs. De quoi ? Ça peut faire sauter les plombs d'avoir autant de lumière comme ça. Faire gaffe, dans Phasmophobia, tu peux faire attaquer par les fantômes. Ah ben là, ils se sont fait attaquer par tout le monde, c'est la nuit, et en plus de ça, ils émettent énormément de lumière en grand groupe. Ça attire tous les prédateurs, c'est extrêmement dangereux. La lumière, dans l'océan, elle est faite distraire les proies. Pour distraire un prédateur, ça va pas suffire. Ou alors pour attirer des petites proies qui pensent attraper un petit animal luminescent. Mais là, c'est eux qui vont se faire attraper. Il y a aussi encore un autre problème à ça, c'est que on les voit essayer de coordonner leurs animations lumineuses sur leur corps. On voit ça très souvent actuellement chez les céphalopodes qui émettent des animations sur leur corps pour étourdir un adversaire, pour intimider un rival, que ce soit territorial ou sexuel, et pour parader même. Le problème, c'est que, à ma connaissance, avec la lumière, ça ne se fait pas. Et en plus de ça, ils émettent des animations lumineuses et ils doivent se coordonner dans le documentaire. Encore une fois, très grosse spéculation. Et par contre, ils ont leurs yeux sur le côté. Ces ammonites-là ont leurs yeux sur les côtés du corps et je me demande bien comment ils font pour se coordonner avec le partenaire. Enfin bref, tout ça c'est très spéculatif et c'est dommage parce qu'il y a énormément de manières de parader pour un céphalopode. Bref, on sait beaucoup de choses sur les céphalopodes, on sait beaucoup de choses sur les ammonites. Ça fait quand même partie des fossiles les plus retrouvés dans le monde et... L'histoire de la paléontologie. Qui sont même des marqueurs chronostratigraphiques, hein, d'ailleurs. C'est important de noter. Exactement. On s'en sert pour marquer les couches, pour savoir pour les dater. À quelle époque. Voilà, pour dater les couches géologiques. Et malgré le fait que les tissus mouches et les céphalopodes, ce soit un grand mystère, on connaît beaucoup de choses sur. On a quand même retrouvé des crochets chitineux l'année dernière. Des crochets chitineux qui appartenaient à une ammonite et qui étaient probablement situés sur des massues tentaculaires d'ammonites pouvant permettre à l'ammonite d'attraper mieux ses proies. Ça se retrouve chez énormément de céphalopodes. On sait beaucoup de choses sur le fonctionnement de leur coquille, on sait beaucoup de choses sur leur alimentation, sur leurs prédateurs, sur leur mode de vie. Et il y avait moyen de faire quelque chose de génial avec les ammonites, et au final, tout ce qu'on voit, c'est de la spéculation. Ils nous expliquent rien de ce qu'on sait, ils nous expliquent que des choses qu'on ne sait pas. Donc c'est un peu dommage, ouais, effectivement. Et j'en profite aussi, avant de laisser parler les autres, et continuer sur, un petit peu sur les ammonites avant de passer au prochain thème. Si vous voulez en savoir plus sur ce que disait Venator par rapport aux céphalopodes, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos qu'il a fait sur les différents sens des céphalopodes, qui sont très bien faits. Et pareil, j'en profite pour les mosasaures, d'aller voir les vidéos de FL Reptile. Sur ce, je vais laisser la parole à Edouard, qui a l'air aussi de vouloir un peu gueuler sur les ammonites. Oh là, gueuler, c'est un grand mot. Cette scène, alors, c'est un peu l'inverse du tyrannosaure, justement, dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, la scène du tyrannosaure, en soi, c'est une scène qui, par rapport au thème de l'épisode, est hors de propos, mais qui, bon, voilà, malgré le petit pinaillage qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux spéculations émises, bon, reste globalement bien réalisé. Là, c'est l'inverse. La scène a tout pour être dans le propos, mais très sincèrement, je savais qu'il y avait un problème avec les ammonites, parce que
Simon justement m'avait un peu teasé, mais en fait je me suis dit ouais il va pinailler, mais en fait enfin c'est vraiment waouh, ça m'a vraiment surpris et pas du tout dans le bon sens du terme, parce que le fait qu'il spécule autant, bon passe encore enfin si on veut, parce que là vraiment ça va très très loin, très sincèrement. Alors là Karcha justement a écrit sur sa feuille de notes le câble HDMI, je sais plus. Câble de fibre. Câble de fibre, moi carrément, ouais, je passe au-dessus. Câble moi. De fibre. Moi j'ai mis prise Bluetooth. Parce que vraiment, j'ai vu ça, je me suis. Enfin, j'ai mis Loupiote, My Little Pony. Vraiment, je voyais ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, le problème de cette scène, il n'est pas tant qu'il y ait de la spéculation. Le problème pour moi, c'est que. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a quasiment rien d'autre. Dans la narration, tout ce qui est dit. Il n'y a rien, enfin, il n'y a quasiment rien. Je me suis dit, mais ça, on le sait, ou ça, on s'en doute. Ou... Ouais, enfin, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que pour moi, c'est vraiment un potentiel gâché. Les ammonites, pour moi, ça fait partie des animaux qui, justement, pour moi, auraient mérité hein, bah, une plus grande mise en valeur dans l'épisode, hein, comme un peu les poissons qui becquetaient le mosasaur. Pour moi, ça fait partie de cette petite faune-là qui me semble vachement intéressante, quoi. Et là... En fait, fallait vraiment pas les mettre, hein. Si c'était pour faire ça, moi franchement, je tombais des nues, je me suis demandé, mais waouh. Ce qui me fait un peu peur, c'est l'impact en fait que ça aura dans la tête des gens. C'est que finalement, bah, là, on va avoir des fanarts d'ammonites loupiotes, quoi. Là, c'est terrible, en fait. Moi, je trouve ça terrible, parce que bah, ça repose sur rien, quoi. Enfin, c'est dommage. Je trouve que c'est un potentiel gâché. Sachant que je tiens juste à dire, pour compléter ce que dit Edouard, si vous faites des fanarts d'ammonites loupiotes, c'est pas grave. Hein. C'est juste qu'il ne faut pas que ça soit pris comme des arts scientifiques. Des choses oui, qui vont voilà, être scientifiques. Ça, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire un T-Rex qui nage, qui défonce des mosasaures. Moi, perso, j'ai rien contre. Il faut juste pas dire derrière que c'est une vérité scientifique. Voilà. Sans même arriver à dire que c'est une vérité scientifique, n'imaginez pas qu'on le sait. C'est surtout ça qui est important, c'est que ne vous dites pas « Ah, c'était dans le docu, donc c'est vrai. Enfin, » En fait, on n'en sait rien. D'ailleurs, pour en revenir à ce que Karcha, à la réflexion de Karcha au début de l'épisode, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'animatronique, mais il y a quand même, pour les ammonites, des petites reconstitutions physiques sur la plage. Alors c'est cool parce qu'ils ont fait plein de belles coquilles disposées sur la plage pour représenter les ammonites mortes. Alors, le problème, c'est les tissus mous qu'ils ont représentés. Alors, je vous explique, c'est une balle de tennis et des petites languettes. C'est pas fou, honnêtement, c'est pas fou, surtout qu'il y a un gros plan dessus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y avait moyen de faire mieux quand même. Hein. C'est parce qu'il y a Roland Garros, ça. Et en plus de ça, quand elles sont sur le sable et qu'elles sont mortes, elles luminent encore. Alors que quand un animal luminescent est mort, il ne lumine plus, son organisme ne fonctionne plus, il n'alimente plus les photophores. Ces cellules sont en train de mourir, il illumine plus à ce moment-là. C'est un coup dur pour les ammonites. Donc comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas nombreux. Alors faites une objection si vous n'êtes pas d'accord avec mon propos, mais je pense que tous ici, on trouve un peu que c'est une catastrophe ce passage sur les ammonites. C'est... Comme a dit Edouard, si c'est pour faire ça, autant ne pas les mettre. Ou alors faire carrément un épisode sur eux, mais avec des vrais renseignements. Et bon, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on regardait les conseils scientifiques. Il y en a aucun qui est spécialisé sur les céphalopodes. Donc ça explique alors, un peu toutes ces erreurs, quoi. Il y en a, je veux dire, je vais prendre les quelques, enfin moi quelques exemples que je connais là en France, qui auraient pu du coup servir de conseiller. Mmh. Par exemple, il y a Yves Dutour, qui est conservateur au Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence, qui est ammonitologue de formation. Il a fait une thèse de doctorat sur les ammonites. Ensuite, sur la paléobiologie des ammonites plus spécialement, je pense à deux anciennes enseignantes-chercheurs. Je dis anciennes parce que je les ai eues quand j'étais en master de paléontologie à Paris. Donc Isabelle Cruta et Isabelle Rouget, oui, qui travaillent sur les céphalopodes et notamment sur les ammonites, en particulier du coup sur leur paléobiologie, ce qui du coup paléobiologie qui est centrale là pour le coup dans le documentaire puisque c'est un docu-fiction en l'occurrence. Donc je veux dire, voilà, j'ai pris que des exemples là en France pour dire que rien, même dans notre pays qui n'est pas le premier pays auquel on pense quand on parle de paléontologie, je veux dire, on a des experts
qui travaille sur ce groupe, qui se pose des questions, qui essaye d'y répondre. Et dans le monde, c'est pas ce qui manque, je veux dire, les ammonitologues. Ah oui, non, ça totalement. Moi, ce que je disais surtout, c'est qu'il y en a pas dans le documentaire. C'est ça le problème. Oui, là, mais clairement, là, enfin, ça aurait été très intéressant qu'il y en ait. Et peut-être que justement, il y a pas mal de points que Venator a soulevés, ben, que ces experts auraient pu soulever. Ils auraient pu dire, oui, là, attention quand même. Moi, en plus, il y a quelque chose que je trouve dommage, c'est que les ammonites, on trouve plein d'espèces. Enfin, on connaît plein d'espèces parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un marqueur biostratigraphique. Et il me semble pas de mémoire qu'ils aient donné un nom d'espèce ni un nom de. Si. Ici, on en a un. C'est Scaphites. Ils savent que Scaphites. Qui? Scaphites. Scaphites, je le note. Hein, okay. Ah ouais, d'accord. Bon, parce que alors, moi, quand je les ai vus, je suis pas un expert. Moi, j'avais pensé à. C'est pas donné dans le doc. Ah bon? Parce que moi, je l'ai entendu dans le doc. Bah, faudrait que je regarde, mais en tout cas, dans les sous-titres, c'est pas noté. À vérifier alors, tu vois. Bon, dans tous les. Ça va, c'était quand même. Si c'est Scaphites, c'est pas très loin. J'avais en tête Disco Scaphites, moi personnellement. Mais okay, J'allais dire pareil, j'en ai aucune idée. Non, je rigole. Je rigole, mais là, ça montre bien quelque chose. Et ça revient à ce que j'ai par rapport à la tortue, c'est que c'est un peu bête de mettre des animaux sans les nommer. C'est bien beau de dire des ammonites, mais c'est totalement l'exact opposé des ptérosaures pour moi, les ammonites. C'est que les ptérosaures, ils les ont tous nommés. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une très 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 bonne représentation des ptérosaures. Le fait qu'il y en ait plusieurs, il n'y ait pas un type de dinosaure dans le ciel. De ptérosaures, pardon, dans le ciel. Par contre, là, les autres animaux, là, les ammonites, c'est des ammonites, voilà. On a l'impression qu'il y a un seul type d'ammonites. Non. Et les ammonites, il y en a énormément. D'ailleurs, c'est très compliqué de les reconnaître. Hein. Faut vraiment avoir l'œil et connaître un petit peu la morphologie des choses, hein, parce que... voilà. Il y en a des belles, d'ailleurs. Les commentaires de la scène auraient dû être de ce tendre-là, je trouve. Ils auraient dû préciser que, justement, pour moi, le fait qu'elle soit pas nommée n'est pas gravissime, mais le fait que les commentaires, justement, se concentrent plus sur ce qu'on voit, alors qu'en soi, préciser, justement, que les ammonites existent depuis un très longtemps, justement, dans le contexte du Maastrichtien, ça fait un moment qu'elles sont là, qu'il y en a existé de toutes les formes, de toutes les tailles, etc., ça aurait été bien plus pertinent que de vraiment surcommenter la scène, alors que c'était vraiment tendre le bâton pour se faire taper dessus. Franchement, la scène, elle me donne l'impression d'un Ghibli. Elle est vraiment très jolie, mais franchement, il n'y a pas vraiment de logique à chercher là-dedans, quoi, je trouve. Bah, c'est ça, et puis même, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais elles avaient toutes la même taille, les ammonites, c'était des copier-coller. Ils ont quand même dit que les femelles étaient plus grosses que les mâles. Ah, mais est-ce que c'est... Alors là, ça va justement... Quand même, ça se voit. Ça se voit aussi. Alors moi, perso, je l'ai pas vu. En voit deux se reproduire, ça se voit. Ouais, ça se voit un petit peu, mais c'est un peu... Je devais tellement être obnubilé par les effets de fibres que j'ai pas dû le voir, alors. C'est ouais, un peu dommage. Ça, c'est vrai. J'ai été hypnotisé. J'aime la fibre. Je suis avide de fibres. Donc voilà pour les ammonites, pour tous les animaux dont à peu près on a parlé. On aurait pu parler de pterosaures aussi, mais comme je vous ai dit, on peut pas tous s'attarder. On peut y voir par contre, hein, mais pas maintenant. Voilà, on va en parler un tout petit peu aussi. Voilà. Justement, maintenant on va parler un petit peu de la transmission du savoir, parce que c'est quand même le premier but d'un documentaire. Ce n'est pas de faire du sensationnel, même si ce documentaire en fait beaucoup, même beaucoup trop à mon goût. C'est de transmettre du savoir. Alors, concernant la pertinence du contenu, il y a quelque chose qu'on avait un peu tous relevé, c'est la surabondance d'animaux. Et justement, moi j'avais soulevé ce point avec vous parce que on peut pas s'empêcher, malheureusement, de faire le comparatif avec Sur la Terre des Dinosaures. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans Sur la Terre des Dinosaures, c'est l'aspect un peu intimiste. On avait certains individus, certains groupes, mais il y en avait très peu, on s'attardait beaucoup sur cet animal-là. On savait qui il était, comment il vivait, comment il se nourrissait, et il y avait une fin à son histoire. Il y avait un début, une fin. Là, j'ai un peu l'impression qu'on prend des animaux en cours de route et qu'on s'y attarde pas vraiment. Il n'y a aucune cohérence entre les parties, à part le comportement parental, ça je suis d'accord, mais on ne s'attarde pas sur eux. Les seuls qui ont peut-être un semblant de suivi dans l'épisode, c'est les tueurs Anguillosaurus, qui reviennent à deux moments de l'épisode, et un petit peu le Mosasaur. Mais est-ce qu'on a vraiment... On retient vraiment des choses à la fin? Il y a tellement, tellement d'animaux que moi, j'ai l'impression d'être noyé dans un trop-plein d'informations qui, couplé aux commentaires de David Attenborough, dont on parlera un petit peu après,
C'est pour moi, c'est beaucoup trop. C'est pas ça un documentaire. Un documentaire, c'est pas un catalogue. Il faut quand même que ça reste une cohérence. Là, j'ai l'impression de voir un catalogue. Il passe d'espèce à espèce sans qu'il y ait de lien. Et c'est un peu le problème du documentaire. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Et c'est un gros point d'or aussi. Je ne comprends pas ce que le documentaire veut me donner. Est-ce que il veut que je sois un gros nerd, que je connaisse beaucoup d'espèces qui ne sont pas connues? Ça c'est bien par contre de le faire. Mais ou alors est-ce qu'il veut que je retienne des informations sur chaque animal en particulier? Est-ce que vous avez ressenti la même chose que moi, ce trop plein d'informations et d'animaux? Oui. Oui, non mais clairement oui. C'est beaucoup trop dense. C'est beaucoup trop dense. Honnêtement, je pense que mettre beaucoup d'animaux différents, c'est pas très grave, mais il faut pas s'attarder sur tous les uns après les autres. Il faut qu'il y en ait qui soit anecdotique, un peu comme des easter eggs, en mode ah, celui-là derrière, je crois que je le connais. Mais il faut vraiment s'attarder sur un en particulier. Totalement d'accord. Je te rejoins là-dessus. Et le problème, moi, ce que j'ai vraiment relevé, c'est que justement, on parlait de nommer, mais pour moi, vraiment, le fait de s'être concentré sur le Maastrichtien, c'est à double tranchant. D'un autre côté, on se dit, ouais, on est au même endroit, au même moment, etc. Ou pas justement, pas forcément au même endroit, mais on va dire qu'on est sur Terre, hein, a priori. Mais c'est bien, mais il y a aussi un double tranchant, c'est qu'il faut faire avec ce qu'il y a. Et les ptérosaures, ils ont des noms, franchement, moi, je les connaissais pas. Je les connaissais pas du tout, je les ai un peu cherchés du coup sur Google. Voilà, ils sont sympas, mais bon, voilà. Balancer des noms une seule fois dans le docu. Tétidraco, Barbaridactylus, Phosphatodraco. Je vais y arriver. Vous voyez, le problème étant qu'ils sont cités qu'une seule fois, pour moi, ça me semblait pas nécessaire de les citer si c'était vraiment pas pour s'y attarder. Il y en a un, en tout cas, des trois, je sais même plus lequel, mais il s'y attarde pas du tout. Était-ce vraiment nécessaire? Est-ce que ça aurait pas dû sortir dans un book qui sort plus tard, un peu comme sur Walking Weave, où justement ils avaient sorti un book après avec le nom même des animaux, justement, qu'ils avaient représentés sans les nommer? C'est dommage, parce que le problème, c'est que dans d'autres docu-fictions, on sert des noms des animaux pour créer une immersion. Là, c'est un exemple, mais dans la Walking Weave, les animaux qu'on suit, le nom est répété pour qu'ils rentrent dans la tête. Alors que là, honnêtement, le nom, je crois, qui est le plus prononcé, c'est Tuarangizor, et il est prononcé 4 fois. Et pour moi, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant, parce que je doute que quelqu'un qui aura vu le documentaire d'un œil curieux, mais sans pour autant être, à prendre des notes derrière, je doute qu'il aura retenu son nom. Et c'est dommage, parce qu'en soi, ce serait bien de retenir un truc ou deux après avoir vu ça. Quitte à retenir un nom. Je suis d'accord, la clé de la pédagogie, même si on pense souvent que c'est un peu une idée reçue et que c'est les profs qui disent ça pour parce qu'ils veulent se la péter, non. Répéter, c'est une bonne clé pour apprendre. C'est quand on répète que ça rentre. Moi, je vais prendre un petit exemple très vite fait. Quand j'ai regardé le premier épisode de sur la Terre des dinosaures sur le Trias, bon, il disait Postosuchus. C'est pour ça que j'ai dit aussi longtemps. Mais au moins, quand je sortais d'épisode, j'avais le nom de tous les animaux, le Placerias, le Postosuchus et le Coelophysis. Et après, il y a quelques ratés par rapport au nom, mais voilà, je les connaissais tous. Là, je pense que si on est un néophyte, et ça serait intéressant d'avoir votre avis dans les commentaires si vous êtes néophyte en paléontologie, est-ce que vous avez retenu tous les noms à la sortie de l'épisode? Vraiment, je ne pense pas. Je suis même persuadé que non. Je te laisse la parole, Nico. Alors, oui, pour ce qui est nommé des créatures, effectivement, il faut les nommer, mais j'avais envie de revenir sur quelque chose en particulier. On est donc au Maastrichtien, vers 66 millions d'années, vraiment, parce que c'est la date, tu vois. Et il nous montre des animaux de là-bas, mais pas que. Et ça, c'est dommage, c'est un point noir que j'ai noté. C'est au début, quand il nous montre un peu la diversité de l'océan, il parle vite fait de l'environnement, de manière relativement globale. Et il nous montre toutes les bestioles qu'il y a. Et dans ces petites séquences, avec tous les animaux qu'il montre, il n'y a que des animaux modernes. Il n'y a pas d'animaux disparus. On voit notamment des raies, alors que des raies diables, donc je suppose que c'est des mantas, des raies mantas ou des diables de mer. On voit des calamars, ça Venator aura la moutarde. C'est vrai, je te coupe pas, vas-y, termine. Vas-y, Coupez-vous.
C'est vrai qu'on voit un calmar de récif à grande nageoire qui n'est pas dans le registre fossile de cette époque. Voilà, sachant que les coléoïdes à cette époque c'était pas trop ça, enfin surtout ceux sans coquilles. Si, à cette époque, quand même, à la fin du Crétacé, il y avait quand même énormément de coléoïdes. Mais calmar de récif à grande nageoire, Cepiototis cepioidae, j'en connais pas de cette époque et de cet environnement-là qui ressemble. Vraiment là, je sais pas. Alors avant que tu reprennes, Nico, justement, j'ai une question pour toi. Comment tu expliques pourquoi, d'après toi, ils ont mis des animaux modernes? Est-ce que c'est une erreur ou alors est-ce qu'il y a vraiment une intention derrière? Ben, je pense que je pense pas grand-chose finalement. Alors, ça c'est peut-être mon esprit qui extrapole, mais vu qu'on est à la fin du Crétacé, le fait qu'ils montent des espèces modernes, c'est un peu entre guillemets pour faire la transition que les océans d'après les dinosaures, qui sont finalement encore aujourd'hui les nôtres. Que je vois aussi, c'est pour montrer la diversité des océans, c'est pour montrer que la diversité des océans du Crétacé sup, c'est un peu comme la nôtre. Des diversités, diversité quasiment aussi florissante qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage de montrer des espèces modernes, parce que du coup on peut pas vraiment se rendre compte de la diversité des animaux du Crétacé sup. Et vraiment, et c'est là que je voulais venir juste après, le gros point noir, c'est on voit absolument aucun poisson. Alors si on en voit un, c'est le poisson qui sert à nettoyer le mosasaur. La brosse à dents. Voilà, Scalacurvictis naichi. Alors on le voit pour deux raisons. Et tout ça. Oui, et c'est le seul poisson disparu qu'on voit. C'est dommage, sachant que je suppose il n'y a pas que lui. Alors, pour moi, la raison de pourquoi il est là, c'est parce que le consultant en chef du documentaire, Darren Naish, justement, c'est celui qui porte le nom du... C'est celui qui a donné le nom au poisson. Alors, tiens. Ouais, exactement, c'est suspect. J'ai dû avoir sa découverte dans le documentaire. Ah bah voilà, quand même. Je sais pas si c'est sa découverte à lui, je ne pense pas. Mais en tout cas, il porte le nom. Non, c'est en hommage à lui. En hommage à lui, parce qu'on peut pas, en paléontologie, on peut pas donner son propre nom à une espèce. On peut l'avoir en honneur, mais on peut pas la nommer. C'est ça, c'est bien de le préciser, ça. Très cool. Mais bref, donc c'est le seul poisson disparu qu'on voit et qui est même pas nommé en plus. Bon, en même temps, Scalacurvictis, c'est pas un nom, ma foi, fort simple. Kaikaifilou, c'est pas forcément mieux. J'avoue. Alors, il a fait un petit caméo, très une espèce de mosasaure. C'est vrai que pour le caméo qu'il fait, bon, certes. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont le retenir. Pour tous ceux qui aiment les mosasaures comme moi, je pense que Kekaifilou, ça a fait plaisir. En plus, il se fait bully par ses proies. Ça montre qu'effectivement, des fois, les prédateurs rentrent bredouille. Ça, c'était un petit peu intéressant. Mais voilà. Après, je rejoins Nico. C'est vrai que, bon... un peu le désert, hein, les océans. Ce qui finalement est paradoxal, vu qu'ils disent que c'est oméga diversifié, on voit pas beaucoup d'espèces disparues. Oui. Et en plus, tu fais l'analogie du désert. C'est le prochain épisode. Non seulement c'est le prochain épisode, mais en plus, c'est un désert, c'est un peu l'opposé d'un océan, tu vois. Et dans les deux. C'est ça, c'est un peu spécial. Ouais, du coup, vraiment, dommage. Après, ils voulaient faire le maximum de plans dans la nature, quoi. Et ça, c'est une remarque. Alors, j'ai pas vu sa critique, mais il avait déjà fait pendant le trailer. C'était Julien de la chaîne Entracte Science. C'est vrai que d'un côté, c'est bien parce que pour le visuel, sur la Terre des dinosaures aussi, il a fait. Hein. Quand tu filmes un vrai paysage, ça claque. Par contre, après, il faut pas avoir peur de remplir les manques. Et je pense que la préhistorique planète, ils ont pas. Alors, je sais pas s'ils ont pas, parce qu'ils n'ont pas voulu ou quoi, mais en tout cas, les manques qu'il y avait à combler par moment, ils les ont pas placés. Alors, pour conclure justement sur cette surabondance d'animaux et pour rebondir sur ce que tu as dit, Eiffel, il y a peut-être une histoire de budget aussi là-dedans qui fait que, on va pas, vu que déjà les modèles 3D sont quand même magnifiques et ils ont dû quand même pas mal bosser dessus, ils ont peut-être pas pu malheureusement dépenser du budget pour tout combler. Mais par contre là c'est un problème, c'est que soit tu fais un truc qui colle à la réalité, et du coup tu fais des mers quand même bien fournies, ou soit tu n'en fais pas. C'est le budget, je peux comprendre l'argument, mais ce n'est pas une excuse. Je te rejoins, c'est sûrement un truc de budget aussi, mais pour moi le budget, c'est pas que c'est pas une excuse, pour moi c'est totalement une excuse, un budget. Enfin, si t'as pas assez d'argent pour faire tes trucs, c'est ok. Mais pour moi, c'est pas vraiment le budget. Ils en avaient du budget. Le problème, c'est ce qu'ils en ont fait. Ils ont... Je sais pas si c'est pour plaire, pour justement, ils aient des financements pour d'éventuelles suites ou je ne sais quoi.
Le fait qu'ils aient mis justement trop d'animaux, et en particulier trop d'animaux que les gens voulaient voir, on a du mosasaure, on a des pliosaures, on a des ptérosaures, on a un T-Rex. Alors rien que dans cet épisode, on a quand même bon nombre d'animaux disparus qui sont facilement reconnaissables et surtout très très gros. Ils ont potentiellement mis trop d'argent dans ces modèles-là et je trouve que c'est un tort parce que pour moi, ils auraient dû justement mettre plus de fond dans des modèles 3D peut-être moins ambitieux, peut-être moins texturés ou peut-être justement plus, quitte à moins texturer les grands qu'on voit pas de près. Mais par exemple, justement, là on parlait du Pycnodon, moi j'aurais vraiment vraiment pas mal apprécié voir justement plus de petits animaux de ce genre-là. Parce que vraiment, ma scène préférée, c'est vraiment le mosasaure qui se fait nettoyer, et c'est parce qu'enfin on s'intéresse à quelque chose de plus, finalement, d'un truc où on se dit, oui, bon, c'est pas un gros truc qui se bat dans tous les sens ou qui vole dans le ciel qui fait 5 mètres d'envergure. Ça donnait vraiment un côté exhaustif. Et j'aurais bien aimé vraiment qu'on se concentre sur quelque chose de plus global, quitte à se concentrer sur des classes d'animaux justement moins attendues, donc des petits poissons, des crevettes, des crustacés. Ça aurait été intéressant, je trouve. Je suis d'accord. Et du coup, tu fais une bonne transition avec la suite. Et là, les copains, si vous me permettez, je vais prendre un peu le lead de cette partie. C'est la partie un peu narration et du coup, comment le documentaire essaye de nous faire passer les informations. J'ai eu un gros problème et en fait on s'est tous coordonnés là-dessus. La narration pour moi est horrible. Pourquoi ? J'ai rien contre David Attenborough. C'était quelqu'un de très bien. Par contre, parler toutes les deux secondes dans un documentaire et ne laisser aucune place à la suggestion ou à la contemplation en elle-même, je ne comprends pas l'intérêt. Je pense qu'ils ont pris le sens du mot documentaire à la lettre et que pour eux, il faut balancer des informations, il faut balancer tout le temps des informations, quitte à ce que ça soit des suppositions, sans mettre d'ailleurs le conditionnel en disant que bon, on le sait, il y a pas de souci, on est omnipotent, on connaît tout. Mais en fait, il faut aussi savoir de temps en temps poser, juste laisser le spectateur regarder ce qui se passe à l'écran, parce que la mise en scène doit être aussi parlante que tes commentaires. Si t'as besoin tout le temps des commentaires pour comprendre, c'est qu'il y a un problème. Et c'est justement pour ça que j'aime énormément la scène du mosasaure, c'est que c'est quand même un des seuls moments dans l'épisode où David Attenborough arrête de parler constamment. Il parle, d'ailleurs il parle trop encore, mais il laisse quand même un peu de place à la contemplation. Et c'est ce passage-là qui m'a fait dire qu'il fallait en parler. Quand les deux mosasaures se battent, donc il y a le vieux mosasaure qui entraîne le plus jeune au fond de l'eau, mais David Attenborough ne nous laisse pas deviner ce qui va se passer. Il nous dit directement, il nous spoil en fait, ce qui va se passer. Il dit, il est en train de le noyer. Est-ce que ça aurait pas eu plus de force de mise en scène, de juste laisser le mosasaure aller au fond avec lui, et après le voir remonter tout seul, et après expliquer justement que vu que c'est un animal qui a besoin de respirer à l'air libre, il l'a noyé. Là, on l'aurait compris, en fait. Juste en voyant ça, on serait dit, ok, il l'a noyé. S'il l'emmène tout au fond, il l'a noyé, sinon il aurait pu le tuer, voilà. Et après, David Attenborough aurait complété avec sa narration. Là, non. Le documentaire est toujours en train, comme si t'avais un mec à côté de toi pendant un film qui t'expliquait tout le film tout le temps. Laisse-moi profiter. Je suis désolé. Si c'est comme ça pendant tous les épisodes, je vais le dire à tous les épisodes, je m'en fiche. David Attenborough, il faut arrêter. David Attenborough, désolé Alexis, si tu regardes ce podcast, David Attenborough doit arrêter les documentaires parce qu'il n'est pas fait pour ça. On a vraiment l'impression qu'il est en train de mourir à chaque parole. Déjà, il n'est pas bien, le pauvre. Et j'ai l'impression qu'il est en train de me raconter un livre d'Harry Potter et qu'il n'est pas en train de faire un documentaire. Il est certainement très bon pour raconter des histoires, ça je ne dis pas le contraire, mais il n'est pas bon pour mêler ça avec des informations scientifiques. Et d'ailleurs, pareil pour le script, celui qui a fait le script, arrête aussi. Il faut pas faire ça. Quand on est dans un documentaire, c'est bien d'avoir des informations, mais il ne faut pas noyer le spectateur d'informations. C'est pour ça que j'utilisais le mot de cas d'école hier. J'ai l'impression de voir des médiateurs, comme des fois j'en vois, qui ont beaucoup de choses à dire. Du coup, pour eux, l'objectif, c'est pas que le public sorte de la médiation en ayant retenu ce qu'il a dit, mais que lui prenne du plaisir en se sentant supérieur et en balançant tout son savoir comme si ceux qui étaient en face de lui étaient des débiles. Là, j'ai vraiment eu l'impression que le documentaire me crachait de la science à la tête. C'est pas agréable du tout. Il faut arrêter. Alors,
C'est... Voilà. Oui, vas-y, Nico. Parce que sinon, j'ai je m'énerve. J'ai un truc à dire, justement. Respire, Karcha, c'est important. Ouais. Je m'énerve. Mais c'est très bien, ce truc. Ouais. Il y a un truc, du coup, ça fait un peu paradoxal. Parce que, à force de donner des trucs trop précis, des bestioles qu'on connaît pas et compagnie, le documentaire nous donne... ne rend pas assez accessible l'information au public. Donc il peut pas vraiment se projeter, s'identifier, se mettre dedans, se mettre dans le pays. Du coup, c'est un peu dur pour le néophyte. Mais du coup, à force de trop donner d'informations et de pas laisser le mec respirer, et plutôt de materner un peu, de l'accompagner, de le tenir par la main, le viewer, c'est pas non plus adapté aux scientifiques du milieu qui, justement, attendent un documentaire avec des infos et du coup, comme ça, avec des infos qu'ils possèdent déjà potentiellement en regardant. Du coup, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Il veut s'adresser aux néophytes ou il veut s'adresser aux gros paléontologues, paléofans qui savent des choses. On sait pas, il a un peu le cul entre deux chaises et c'est dommage parce que ça ternit le documentaire. C'est ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de public cible. En fait, il a la notion de grand public, mais lui, il a pris au premier degré. Quand tu fais un documentaire, il faut quand même avoir un public cible. Il faut que ton documentaire soit dirigé pour une partie de la population, mais qui reste quand même un peu accessible pour le reste. Mais il faut que ton discours s'adresse à quelqu'un. Parce que si tu veux faire du tout public, ça veut dire que tu vas devoir adapter un ton à la fois enfantin et à la fois pour les scientifiques. Là, je trouve que le documentaire n'arrive pas à cibler son public, parce qu'on déjà n'arrive pas à savoir c'est quel public. Et les informations, je suis désolé, les informations ne sont pas pertinentes du tout, et on aurait très bien pu s'en passer pour justement laisser le spectateur contempler les animaux. Parce que c'est bien beau d'avoir des belles musiques et des beaux effets 3D, ce que pour moi, le documentaire, c'est son gros point fort, mais j'aimerais bien pouvoir les observer sans qu'on me crie à l'oreille tout le temps. Parce qu'imaginons, je suis pas bilingue, je suis obligé de lire les sous-titres, et je n'écoute pas la VF parce que la VF, on en reparlera peut-être un peu après, mais voilà, elle est catastrophique. Je le regarde en VO. Mais là, je suis obligé à chaque fois de lire ce qui est en bas et je ne peux pas contempler ce qui est à l'écran. Et ça, c'est un gros problème. Si je suis quelqu'un qui n'est pas bilingue, comment je fais? Parce que la VF, voilà, comme a dit Venator, j'ai l'impression de voir David Attenborough qui serait devenu français et qui ferait des blagues tout le temps. On dirait un clown. Oui, c'est clairement ça. C'est un comique. C'est un peu dommage. Et ça, pour moi, c'est typiquement ce qu'un documentaire ne devrait pas faire. C'est... Voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, Eiffel, vu que tu es aussi dans le milieu de la médiation. Et est-ce que tu te permettrais, si tu étais directeur d'un documentaire, de faire quelque chose comme ça? Est-ce que pour toi, c'est... le mot tolérable est un peu fort, mais est-ce que c'est adapté? Clairement, non. Non, je... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un besoin de narration là qui était par moments en fait un peu trop fort justement dans ce qu'il faisait faire. Je serais pas là. Déjà de base, je pense que j'aurais fait un petit tri de quelles sont les informations consensuelles ou qui ne sont pas consensuelles mais qui ont des données paléontologiques derrière qui sont fortes en fait. J'aurais fait un tri déjà là-dedans. Et déjà, qu'est-ce que je peux montrer avec ces infos-là? Après, pour agrémenter, pour un peu, on va dire, mettre un beau paquet cadeau, des paillettes, voilà, j'aurais mis un peu de spéculation, un peu recette de cuisine, mais ça répondra à ta question, moi. Du coup, voilà, j'aurais fait quelque chose comme ça, voilà, vraiment, mais je me serais attaché à pouvoir davantage montrer des choses solides, entre guillemets, sur lesquelles on peut se reposer, voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment ça le plus important, surtout à l'époque à laquelle on est. Ça faisait un moment plus trop de documentaires, en paléontologie en particulier. Donc je pense que c'est important voilà, de s'attacher à ça. Et là, c'était pas vraiment rendez-vous, quoi. Faut le totalement dire, d'accord. Donc, non, voilà. Et comme tu dis, c'est vrai que c'était très massu quand même, parce que j'aime beaucoup. J'ai notamment, quand je suis rentré à l'université... c'est à ce moment-là, quand j'étais en licence, que j'ai découvert ces documentaires, etc. Et enfin, je me régalais, voilà. Après, c'est vrai que là, comme tu l'as dit, on sent qu'il est fatigué. Mais bon, ça, c'est autre chose. Après, c'est vrai que la narration dans ce qu'ils ont imposé sur le texte, c'est vrai que c'est beaucoup trop d'informations, c'est une mitraillette, hein.
jamais, comme tu dis. Enfin, on peut se poser de temps en temps, la contemplation, c'est vrai que c'est important de faire des plans, voilà, juste avec, voilà, tu laisses ton petit fond sonore et puis tu montes les... Voilà. Tu montres tes animaux vivre sans que tu aies besoin de faire un commentaire. C'est vrai que ouais, j'avais envie de dire, là, t'as pas besoin de parler. C'est bon ce que tu dis, je le vois. C'est ça. T'as l'impression que le mec te raconte ce qu'il y a à l'écran, sauf que bah, j'ai des yeux, je vois, je ne suis pas aveugle. Voilà, c'est un peu vraiment dommage sur ce côté-là, parce que là aussi, du coup, ben, voilà, ça enlève un peu la magie, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort, je trouve, avec celui-là. Je sais pas vous, mais justement, le côté visuel est tellement bon, est tellement d'un bon niveau, que la majorité en fait, de la magie, en fait, elle est là. C'est cette qualité qui fait que c'est agréable et qu'on est en mode « Waouh, ok, vas-y ». Mais le problème, c'est que la magie, on ne peut pas la voir qu'avec le visuel. Alors, certes, il y a des compositions là, de Zimmer qui sont bien, sans être transcendantes non plus, par rapport à ce que peut faire le bonhomme. Mais après, ça, j'ai envie de dire, c'est triste, mais en fait, ça s'arrête là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, déjà, dès le premier épisode, ont mis le docu sur un piédestal. C'est quelque chose que je me refuse. Je me le refuse parce que je ne peux, objectivement, lorsqu'on le décortique, on ne peut pas le mettre sur un piédestal. C'est très beau, c'est excellent. Oui, il faut le voir parce qu'il est nouveau, parce qu'il est beau. Mais pour être voilà, sur le piédestal, il faut aller plus loin que ça. Et le problème, c'est qu'il ne va pas plus loin que ça, en fait, le docu, clairement. Donc, j'ai pas envie de dire que le coche est raté, mais voilà. J'attendais vraiment... Alors, peut-être que j'attendais trop. Peut-être que, comme vous l'avez dit, parce qu'on ne sait pas trop, peut-être qu'au final, je ne suis pas le bon public cible, peut-être. Voilà, ça, j'en sais rien. Il n'y en a pas des publics cibles. Donc, ça me voilà, c'est clair. Ouais, comme vous l'avez dit, c'est ça. Hein, voilà, on ne sait pas trop, mais voilà, moi, je ne peux pas sciemment, voilà, pour un côté scientifique et quand voilà, quand on est un peu dans la science, fondamentalement dans la science, ce qui compte, c'est la donnée et ensuite comment on fait parler les données. Or là, entendre que les T-Rex ils font tel nombre de bébés qu'à tel taux de perte, il n'y a aucune donnée là-dessus, donc on peut arrêter, s'il vous plaît, les fumisteries. Enfin, trop précis, pour être honnête. Voilà, ça, clairement, justement, on ne le dit pas. On ne le dit pas, ça fait du temps de parole en moins, et ça fait que, eh ben, on contemple la scène, par exemple. C'est tout simple, c'est tout con. Mais voilà, je veux dire, il y a vraiment des commentaires, et moi, je suis désolé, ça me fait mal, parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça au pied de la lettre, qui vont être contents de savoir ça, parce que c'est aussi un documentaire, c'est un peu comme à la fin d'une médiation, on est content d'avoir appris des choses, et après qu'on a appris, on est content d'aller le dire à la famille, aux camarades, aux copains. Et moi, ça me fait chier, je me dis voilà, que ce genre d'information qui a aucune donnée derrière, c'est que de la spéculation, mais il y a des gens qui sont contents de le dire. Là encore, sur Twitter, je vois des personnes qui disent, par exemple, qui ont été déçus du nouveau Jurassic World, et qui vont aller... entre guillemets, se nettoyer avec Prehistoric Planet. Et là, j'ai envie de dire, mais je suis désolé, il y a des spéculations qui sont aussi graves là, dans Prehistoric Planet que dans le prochain Jurassic World ou que dans les autres Jurassic Park. Sachant voilà. Que Jurassic World et Park n'ont pas la prétention d'être des documentaires. Là, on peut leur pardonner, on va dire. Là, on ne peut pas pardonner un documentaire. Complètement. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Oui. C'est vraiment super ce qu'ils ont voulu faire. Faut leur dire quand même, je pense quand même qu'il faut les remercier pour le résultat, pour le fait que ça existe. Pour si jamais il y a une sortie en DVD, voilà, je suis désolé de faire le vieux, mais voilà, j'espère qu'il y aura une sortie en DVD. Moi je prends la VHS. Bon, ah ouais. Là, et de la petite équipe là ce soir, ça me fait marrer là qu'ils parlent de tout ça parce que en termes de temps passé dessus, je pense que j'étais en VHS moi aussi. Je pense que vous ne me battez pas, mais bon bref. Ah non, je pense pas. Le souci, mais là... Ça se discute, mais on rigole, ouais. C'est sympa. Puis, mais ça fait plaisir. Par contre, là, je suis très alors. Sans faire bon, je suis pas si vieux que ça non plus, mais sans faire le vieux, ça me fait plaisir de vous entendre là quand vous dites que voilà un DVD, vous êtes enthousiaste quoi, vous serez prêt à l'ajouter à votre DVD tech. Enfin, moi ça me. Bien plaisir. Sûr, bien sûr. C'est pour moi c'est un bon truc quand même. Hein, c'est pas. J'en ferai un cale-chaise. Ah ouais d'accord. Non, je voulais juste revenir sur la narration justement.
Pour moi, c'est le seul problème, on va dire, systémique du docu. En fait, c'est le reste en soi, pour moi, c'est du pinaillage, mais pour moi, c'est assez grave, parce que ça se voit que les deux arguments de vente du documentaire, c'était les belles images, la belle 3D et David Attenborough. Et c'est dommage que, quitte à se vendre sur David Attenborough, on ne l'ait pas fait briller par sa rareté, parce que c'est bien aussi de se faire désirer, y compris dans un documentaire, de se faire désirer par une voix qu'il peut porter ou pas, d'ailleurs, on peut l'aimer ou pas. Moi je trouve sa voix, ça va. Mais elle est... Enfin, moi, il y a deux problèmes. La narration est omniprésente, vraiment, à peu de choses près, elle est tout le temps là. Et elle sait beaucoup trop de choses. Franchement, ça me paraît c'est déjà elle est omniprésente, parce que du coup j'ai re-regardé le documentaire, il y a rarement plus de trois plans qui se succèdent sans David Attenborough qui parle derrière. J'ai compté, je crois, une ou deux fois où il y a trois angles de vue qui se succèdent différents sans qu'il y ait un passage narratif. Et pour moi, c'est vraiment pas assez, et c'est pas assez long. Ça laisse aucune place en fait au rêve et à l'imaginatif. T'as toujours quelqu'un qui te ramène à la réalité. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est justement ce que Kershaw disait tout à l'heure. Je pense que c'est important dans ce genre de truc d'avoir de la contemplation. C'est bien beau de dire oui, faut du fond scientifique, mais en un sens, déjà, je parlerai après de ce qui se dit justement, mais bon, là, ça a déjà globalement dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses où, il dit des trucs, mais on n'en sait rien. Donc bon, c'est un peu dommage. Et même dans les combats, il y a de la narration. Le combat du Mosasaur m'a clairement sorti du truc. Et c'est dommage, parce qu'en soi, le combat, franchement, sans narration, enfin, pour moi, il aurait été vraiment génial. Et j'aurais été vraiment à fond dedans. Meilleur que Goku Freezer ? Oui. Ah. Alors, c'est compliqué quand même, mais... Mais ouais, bon, j'y méditerai, mais non, vraiment, le combat aurait été vraiment pour moi parfait sans cette narration qui nous explique, voire nous spoil ce qui se passe. Et c'est vraiment dommage. Ça, c'est pour l'omniprésence et l'omniscience, parce que, bon, déjà, il y a, comme déjà dit, il y a beaucoup trop d'informations et beaucoup trop pointues. Il y a trop de chiffres, vraiment beaucoup trop de chiffres. Il y a trop de chiffres et... Ben, c'est pareil, on sait pas d'où ça se base. Enfin, les eaux creux remplies à 90% d'air pour les ptérosaures, enfin, c'est pas nécessaire comme information. C'était vraiment pas nécessaire. Qu'est-ce que ça change que tu dises qu'ils soient creux remplis d'air ou qu'ils soient à 90% remplis d'air? C'est une information inutile. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Sauf si tu... Alors déjà, si tu pars du principe que tu tapes sur un public qui va retenir cette information, c'est potentiellement un public pointu, et du coup il va relever les spéculations que tu fais, et du coup c'est un peu dommage. Donc pour moi, c'est pas pertinent comme choix. Il y a un trop large panel avec cette omniscience. Je l'ai dit, il y a trop de noms de genres. C'est trop de noms de genres compliqués et pas assez répétés en fait. Il y a des noms de genres, ils sont pas cités, et je trouve ça dommage. Le Mosasaur d'Hoffman, c'est cool de l'avoir cité, mais il est cité, je crois, même deux fois pendant sa scène. En soi, bon, ça va encore. Mais par exemple, les ammonites, elles sont dit ouais, c'est des ammonites. Et puis à l'inverse, t'as les ptérosaures, ils sont cités qu'une fois, ils ont des noms, mais tu te dis, mais moi j'ai galéré à les écrire. Donc, je veux dire, c'est embêtant, parce que nous on avait les sous-titres, mais imaginez quelqu'un qui regarde en français avec le doubleur qui prononce ça, enfin, la personne elle entend ça, ça part, ça ressort. Hein, parce que la mémoire humaine elle retient bien les mots écrits. Ok, je comprends. En tout cas. Donc moi personnellement, je retiens mieux le nom écrit que le nom dit. Parce que du coup, moi, souvent, quand on le dit, moi, je sais pas l'écrire. Faut que tu les regardes en PowerPoint, Edouard. Ouais, voilà, ouais, les épisodes en PowerPoint. Et enfin, pour moi, le souci vraiment majeur, mais vraiment qui surplace tout le reste, c'est en termes de vulgarisation, justement, transmission du savoir par rapport à ce qu'a dit Kershaw. Le ton didactique, c'est vraiment pas bon, parce qu'il est vraiment super trompeur. Comme l'a dit FL, il y a des gens, ils vont retenir pour argent comptant tout ce que David Attenborough dit, alors que très sincèrement... Je doute qu'il y ait plus de 50% de ce qu'il dit sur lequel on puisse s'appuyer. Franchement, quand on regarde sur le fond réel des connaissances, enfin des connaissances théoriques avancées par le documentaire, il n'y a pas 50% sur lequel on sait quelque chose en fait. Vraiment pas. La longévité, les portées du T-Rex, les parades, la bioluminescence, enfin, il y a des tas de trucs, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et ça aurait été plutôt pas mal de pas appuyer sur ce ton didactique ce qu'on voit à l'écran, quitte à le laisser, justement. Mais du genre de ne pas l'appuyer, parce que le problème, c'est que le fait que le narrateur le dise, en plus c'est David Attenborough, qui est une figure entre guillemets paternelle dans ce milieu, les gens vont avoir tendance à le croire assez facilement. Et c'est vraiment dommage, parce que... Là, FL en a parlé tout à l'heure, ça a un réel impact sur les gens qui regardent. C'est vraiment dommage, et pour moi, c'est vraiment... Le gros point noir de cet épisode, c'est vraiment cette narration... Parce que par ailleurs, David Attenborough est un bon narrateur. J'ai déjà vu d'autres de ses documentaires. C'est vraiment bien. Oui, totalement. Il a fait des trucs bien. Ah oui, non mais voilà. The Green Planet, pardon. The Green Planet, voilà.
Oui, The Green Planet, donc voilà. Il est aussi fatigué que David Attenborough, notre Edouard. Oh, vous savez, ouais, c'est la retraite bientôt. Non, non, Life, mais plus... Life est excellente. Hein. Life, Life je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu, voilà. Life, si vous aimez la zoologie, c'est le docu en plusieurs volets cul. Voilà. Ouais, mais voilà, par exemple, par exemple voilà, voilà. Tout ça pour dire, c'est la légende. Voilà, c'est pas un mauvais narrateur, c'est juste que là, ça se voit que l'argument de vente, c'est lui, parce que même par rapport aux autres, enfin, il parle vraiment tout le temps, et je trouve ça vraiment dommage. Surtout pour dire des trucs qui sont majoritairement de la spéculation, souvent. Là, remboîtage des os des ptérosaures, c'est sympa, mais en soi, pourquoi pas. Là, quand ça part sur des chiffres en disant il y a 12 pour 2 tiers de... Vous imaginez, on fait des maths avec les tyrannosaures, il y a 4 petits qui survivent, sachant qu'ils perdent les 2 tiers de sa couvée avant. Enfin, ça repose sur rien. c'est vraiment dommage, parce que c'est... Je pense qu'il aurait dû, comme j'ai dit justement pour les ammonites, ça aurait été plus intéressant de dire que justement, ces animaux existent depuis très longtemps, plutôt que de s'étayer sur la parade amoureuse, même la commenter, quoi. C'est vraiment dommage. Bah, surtout que ce serait quand même beaucoup plus impressionnant de se dire que ces ammonites-là, enfin, pas ces ammonites précises dans le documentaire, mais que les ammonites en général ont vécu aussi longtemps. Là, ça serait impressionnant, tu dirais, ah ouais, quand même, c'est pas n'importe quoi, quoi. Donc, ouais, c'est. Après, je me dis peut-être que moi, je n'ai pas d'attache avec David Attenborough. Pour moi, cet homme-là me rend indifférent quand j'écoute. J'ai l'impression d'entendre Koé quand il parle. Ouais, non, peut-être pas quand même. Mais voilà. Très dur, là, c'est gaffe, vrai. Hein. Non, mais vraiment, cet homme-là m'est indifférent. Du coup, j'ai pas cette attache directement. En fait, il est pas venu me chercher. C'est comme Edouard a dit, j'ai l'impression qu'il mise sur la popularité de David Attenborough. Mais moi, je m'en fiche de David Attenborough. Je suis pas là pour lui. Que ça soit Koé, Michel Sardou ou Jean-Luc Mélenchon qui me fassent le commentaring. Bah, je m'en fiche. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça soit bien fait. Et là, non. Désolé, David Attenborough, non. C'est certes, le nom est vendeur, mais la qualité n'est pas là. Donc bon, voilà. Et je pense qu'il va être le temps de conclure ce podcast de Parlons Peu, Parlons Pâle, qui porte très mal son nom, vu qu'on a parlé beaucoup, mais qu'on a quand même parlé pâle, donc ça va, quand même. Le contrat est à moitié rempli. Ouais, 50%, c'est plus pas mal. Voilà, c'est ça. Et donc, pour finir, je pense qu'on va refaire un tout petit tour de table. Alors vraiment, là, je vous demande de vous maintenir à une ou deux phrases maximum pour donner votre avis global sur le premier épisode et donner une note à cet épisode. Donc, en globalité, même si je n'aime pas faire ça, mais d'après vous, combien mérite cet épisode? Et comme ça, on fera un petit classement. Alors, on va faire ça sur 20 pour avoir plus de flexibilité et être moins dur, peut-être. Ouais. Alors je vais commencer parce que comme ça nous on est dans l'ordre de Discord. Alors pour moi ça a été la douche froide. Le documentaire est quand même bon, il faut pas se mentir, il est bon. Mais j'espère qu'il va quand même se réveiller un peu pour le prochain épisode. Et si je devais donner une note, je lui donnerais, alors après avoir quand même bien digéré l'épisode, je lui donnerais un 13 sur 20. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Nico. Je donnerais à peu près la même note que Karcha, un 13 sur 20, parce que déjà, je pense que j'ai mitonné un peu trop longtemps, mais, tu sais, entre la sortie et le moment où on l'a vu, ça fait 2 semaines, je crois, peut-être 2 semaines. Un truc comme ça, que, ouais. Bah, ça se trouve que je me suis peut-être un peu hypé beaucoup pour ce qui m'a été servi. Ce qui m'a été servi était quand même déjà très bon. Je savais déjà qu'il y avait eu quelques problèmes, mais les constater, ça a quand même, plus en constater de nouveau, ça a quand même bien refroidi le niveau. Donc ouais, un bon 13 sur 20 bien solide, comme le rock. Ah, j'aime bien la référence. Ensuite, c'était Edouard ouais. De passer après le rock, donc tu as quand même une certaine pression. Ouais, attention. Non, moi, je suis du genre à juger forme et fond sur pied d'égalité dans toute œuvre que je regarde. Même pour un documentaire, mais pour moi, c'est important, même dans un docu. Moi, si le docu est pas beau, j'ai du mal à m'accrocher. Ou alors, j'en rigole, donc c'est pas bon signe pour lui. Mais bon, pour Préhistoric Planet, je lui mets, si je divise 20 en 2, du coup, ça fait 10 sur 10 pour la forme. Franchement, j'ai rien à dire, c'est beau, c'est agréable. C'est... voilà. Pour la forme, bon, je lui mets 10 sur 10, mais je suis gentil parce que la narration m'a un peu sorti de temps en temps, mais ça va, c'est pas si dramatique sur le principe. Par contre, c'est plus sur le fond, justement, où la narration me dérange. Et même sur tout le reste, et là, le fond, je peux pas mettre plus que 4 sur 10. Et... je suis gentil, parce que vraiment, objectivement, il y a beaucoup trop de spéculation, et j'ai peur vraiment de l'impact que ça aura dans la tête des gens. Néanmoins, c'est un bon show à regarder, en tout cas, l'épisode était sympa, et bon, moi, je mets 14 sur 20, c'est pas mal.
D'accord, donc 14 sur 20, donc on a 13 sur 20, 13 sur 20, 14 sur 20. Venator, vas-tu continuer cette suite mathématique ou vraiment il va la briser parce que les ammonites. En vrai, j'ai beaucoup de mal à noter ce documentaire. Je saurais pas trop quoi lui donner. Ouais, je vais mélanger la note que j'aurais mise sur la forme et la note sur le fond. C'est dur, c'est très dur. C'est dur, mais il faut parler les termes, Venator. J'ai passé un bon moment, c'est vrai, j'ai passé un plutôt bon moment, même si à chaque fois, en voyant les ammonites, je passais mon temps à repérer des incohérences, et du coup, ça m'a un peu sorti du truc. J'aurais kiffé voir un plésiosaure chasser une ammonite, ou des ammonites elles-mêmes chasser. Ça aurait été génial. À la place, ils ont voulu mettre en image des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas prouver. Je pense qu'en mélangeant la note de fond et la note de forme, au départ, comme ça, brut, j'aurais mis un 10 sur 20, mais j'ai quand même passé un bon moment. La forme est très belle, quand même, sauf les ammonites mortes sur la plage. Verdict, quelle note? Je pense que je vais mettre... je vais remonter à 12. D'accord, donc 13, 13, 14, 12. Ça... voilà, c'est quand même... Bon, on va pas se mentir, c'est pas des mauvaises notes, mais Eiffel, qu'en penses-tu, toi, maintenant? Bah, il y a un mosasaur, allez. Zéro. Non, je rigole. Wow. Je rigole. Non, je vais pas mettre 0,5, non. Non, pour la forme, allez, un 9 sur 10. Et pour le fond, un petit 6. Donc voilà, je pars sur un 15. Je suis très généreux, mais parce que Mosasaur. Je suis un peu biaisé. Tu es biaisé, c'est ça. Je le vous, je le dis, hein, voilà. Il y a les Mosasaur, ça me biaise un petit peu. Donc celui-là, je le mets à 15. Bon, après, voilà, pour les autres épisodes, je ne serai pas autant généreux, mais voilà, pour celui-là, mine de rien, je reste à tout. D'accord. On est globalement généreux, je pense, parce que il faut souligner, hein, on a l'air de cracher dessus comme ça, mais dans le fond, ça nous fait vraiment plaisir qu'il y ait un docu comme ça qui sorte et qu'on puisse justement assister à sa sortie. Parce que un petit docu-fiction comme ça, aussi beau, aussi événementiel, c'est pas arrivé, je crois, depuis Sur la Terre des Dinosaures. Il y a eu 2-3 trucs entre deux, mais franchement, rien qui ait fait autant de bruit, rien qui soit aussi ambitieux. Donc, on n'a pas parlé de la référence peu subtile. Oui, on n'en parle pas. Ouais. Mais il y a un petit clin d'œil sur la Terre des Dinosaures avec le coucher de soleil, mais ça, on en parlera vraiment à toute fin, au tout dernier épisode. Mais tu fais bien de mentionner, c'est vrai qu'il y a quand même un clin d'œil et je pense qu'on l'aurait eu en commentaire si on l'aurait pas mentionné vu qu'on parle de Sur la Terre des Dinosaures depuis tout à l'heure. Mais oui, on sait qu'il y a un clin d'œil, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, rassurez-vous, on l'a vu. On l'a très très bien vu. Même peut-être trop vu. Enfin bref. Donc oui, voilà, on terminera quand même sur ce mot. On apprécie quand même l'épisode et on s'est attardé quand même sur les points négatifs parce que c'est ce qu'on veut pas que le public retienne et ça nous paraît important en tant que... fan de paléontologie, mais voilà, on salue quand même la tentative qui est très bonne et on espère que ça va continuer comme ça. On se retrouvera quand même au prochain podcast sur l'épisode 2 qui s'appellera The Desert, ou en français dans la langue de Michel Sardou, Le Désert. Mais non, c'est Le Dessert. Ah d'accord. Là vous voyez, lui il n'a pas écouté Michel Sardou. Ah bon. Mais voilà, et prochain, justement, tu parles Edouard, prochain épisode, prochain podcast donc de Parlons Peu, Parlons Pâle sera sur la chaîne de Edouard Dino qui sera aussi dans la description. Et j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des retours si vous trouvez que la longueur vous paraît bien ou alors c'est trop long, blabla trop, on dit trop de bêtises. Et je tiens encore une fois à remercier tous les intervenants qu'il y a eu dans ce podcast. Donc merci Nico, merci moi aussi parce que quand même je trouve que j'ai quand même vachement bien géré. Ouais. C'est bien. Ils rigolent mais ils rigoleront moins après le podcast. Merci Edouard Dino, merci Venator de la chaîne Fauna Studio et enfin merci FL Reptile. Vous avez vraiment apporté quand même une expertise assez complète sur l'épisode et on espère que grâce à ça vous avez compris quand même beaucoup plus de choses que David Attenborough en a dit. Allez, on va dire chacun un petit mot pour dire au revoir. Moi sur ce, je vous dis à plus dans un autre temps parce que je suis pas original. À vous. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois et surtout restez sauvages. Venator, à toi. À plus les amis. Voilà, Edouard, à plus les amis. Edouard. Voilà. C'est beau. Venator. Oui, très éloquent. Salut.
C'était bien. Il a cherché loin celle-là. Vous devant votre écran, si vous faites un peu de paléoar et que vous voulez quand même faire des céphalopodes, c'est trop long. C'est trop long. Très très grande. Il nous a fait une histoire, Venator. À toi, Eiffel. À toi, Eiffel. Bah écoutez, merci à tous les amis, c'était vraiment super. Voilà. Kiffez bien. Paléontologiquement, votre abonnez-vous du coup à Karchan aussi, à la paléosphère. Voilà. Exactement. Et paléontologique autre. Bon, c'est beau. Voilà. Je m'arrêterai là. Et sur ce, on vous dit au prochain épisode, tout le monde, et profitez bien de cette nouvelle ère du paléomédia qui est quand même, s'annonce quand même vachement sympa. Allez, salut. Salut.